La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 et du projet de loi de finances pour 2023. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé à entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale commune. Nous allons donc poursuivre pour 5 minutes avec Monsieur Philippe Lothiaux pour le groupe Rassemblement national. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'évoquerai ici plus spécifiquement le projet de loi de programmation des finances publiques. Il y a tout juste un siècle, en 1922, Émile Coué publiait son ouvrage sur l'autosuggestion consciente, fondateur de sa fameuse méthode Coué, « Tout va de mieux en mieux ». Il est appréciable que le gouvernement, un siècle plus tard, ait souhaité rendre hommage au créateur de l'effet placebo à travers ce projet de loi de programmation. Et pourtant, de la méthode, vous n'avez malheureusement que le discours. En effet, à vous lire, à vous entendre, ce projet de loi dresse la voie vers un avenir radieux, fait de déficits budgétaires maîtrisés, de plein emploi ou de baisse des impôts. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise. Pourtant, il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien, et même bien plus. Tout d'abord, sur le principe. Pourquoi cette loi? Tout simplement, et vous l'avez dit, pour passer sous les fourches codines de l'Union européenne, faute de quoi elle pourrait ne pas redonner à la France une modeste partie de sa contribution. Une preuve supplémentaire de la perte de nos souverainetés. Alors vous allez nous dire, oui, mais l'important de savoir où l'on va. Mais le souci est qu'à vous lire, ne n'en nulle part. Ou alors dans le mur, à vitesse accélérée, c'est d'ailleurs le seul moment où on trouve assez d'énergie dans notre pays aujourd'hui. Ensuite, derrière les effets de manche dont vous êtes coutumiers, qu'apprend-on à la lecture de ce projet? La dette demeure à un niveau inégalé sur les 5 années à venir. Bien sûr, il y avait le Covid. Covid qui n'est, je le rappelle, responsable que d'un tiers de son augmentation de 600 millions d'euros sur le dernier mandat, pour un quoi qu'il en coûte, qui, je le rappelle une fois encore, n'était pas un cadeau, mais une compensation des mesures brutales et parfois exagérées que vous avez prises durant cette période. On attend toujours d'ailleurs la réintégration des soignants suspendus, pompiers et autres agents non vaccinés depuis lors. Le déficit public reviendrait péniblement à 3% en 2027. Les prélèvements obligatoires se maintiennent autour des 45%, ce qui fait de nous un des pays les plus lourdement prélevés. Alors bien sûr, c'est pour nos services publics. Parlons-en. Un hôpital en déshérence, des seniors maltraités, une éducation qui apprend à nos enfants à changer de sexe avant de leur faire additionner 2 et 2, une police désespérée et toujours mise en accusation, une justice, on se demande pour qui elle est faite, une ruralité abandonnée. Et c'est pour cela que les Français payent 45% de prélèvements obligatoires. Il y a bien un problème d'utilisation de l'argent public. Nous parlons du montant depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi la qualité de la dépense publique qui est en jeu, un système que vous n'abordez pas, alors que c'est sans doute le vrai sujet. Les hypothèses de croissance que vous évoquez sont quant à elles vivement contestées par toutes les institutions sérieuses qui vous trouvent extrêmement optimistes. Un optimisme d'autant plus inquiétant que vous ne prenez pas en compte 2 dangers qui pèsent sur notre économie. Tout d'abord, dans le BTP, la hausse des matières premières et de l'énergie renchérit le coût de construction, alors que les taux d'intérêt augmentent et que les banques refusent aujourd'hui près de la moitié des prêts immobiliers, prélude à une crise potentielle que l'on n'espère pas, mais que vous n'évoquez à aucun moment. Chez nos agriculteurs, nos TPE et nos PME, la hausse des coûts de l'énergie, moins liée à la crise ukrainienne d'ailleurs qu'à vos erreurs passées, et à une idéologie européiste dont vous commencez à réaliser qu'elle est une impasse, voire vos projets sur le découplement, risque de conduire à des faillites en chaîne, sans encore qu'il en soit 10 mots dans ce projet, tandis que vos mesures du PLF sont, à nos yeux, trop ponctuelles. Le seul secteur qui arrive encore à fonctionner peu ou prou, c'est celui des collectivités locales. Ah, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est pas normal. Votre projet prévoit donc de les contraindre à baisser leurs dépenses en euros constants et de les mettre sous tutelle si elles ne respectent pas cette oucase. Comme si les collectivités augmentaient leurs dépenses par plaisir. Elles n'attendent pas l'État pour les limiter. Et si vous voulez qu'elles le fassent, donnez-leur moins de contraintes, moins de normes, moins d'études, moins de transferts de compétences obligatoires pour retrouver une liberté que vous passez votre temps à entraver, des entraves que votre projet de loi renforce encore. Mais au final, ce projet de loi de programmation, ce sont des chiffres. Et que sont ces chiffres? La résultante de décisions politiques où on lève cesse d'absence de décision. Car c'est le cœur du problème, cette loi de programmation, c'est un bateau ivre sans cap. Alors vous nous direz, mais dans vos amendements, vous proposez de réduire les recettes et d'augmenter les dépenses. C'est faux. Nous proposons de redonner au pouvoir d'achat aux Français. Nous proposons d'augmenter un certain nombre de dépenses pour nos services publics.
Et nous proposons aussi de faire ce qui doit l'être pour notre défense, notre sécurité ou notre patrimoine. Mais nous proposons aussi d'arrêter les gabegies liées à la submersion migratoire, de mettre fin au libre-échange absolu qui ruine nos campagnes et nos entreprises, de lutter efficacement contre toutes les fraudes, de taxer les produits financiers indus, de lutter contre une suradministration qui ajoute normes sur normes, asphyxiant les initiatives. Nos propositions sont équilibrées, mais fort de votre sentiment d'avoir raison sur tout et contre tous, vous ne les écoutez pas. Guillaume Apollinaire écrivait « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Aujourd'hui, il se ferait rabrouer sous couvert de sobriété énergétique. Pourtant, votre programmation manque d'étoiles pour éclairer l'avenir. C'est, pour paraphraser Baudelaire, un ciel budgétaire bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur les Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Républicains, la parole pour 5 minutes à monsieur Fabrice Brun. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Pendant que nous débattons ce soir de ce PLF en séance, la pénurie continue dans les stations-service. C'est la croix et la bannière pour faire le plein, partout en France, en Ardèche comme ailleurs. Et c'est tout aussi compliqué, par exemple, de trouver des pelés ou des granules de bois dont le prix a été multiplié par 3. Et ça ne va pas plus fort du côté de la filière électronucléaire, abandonnée depuis 2 quinquennats, avec pour conséquence des foyers qui vivent dans la hantise des coupures d'électricité et de chauffage au cœur de l'hiver. Monsieur le ministre, en quoi ce texte, au-delà des mots, répond-il à ces préoccupations quotidiennes des Français comme des acteurs économiques sur l'énergie? En quoi accélère-t-il les investissements de transition écologique et en quoi renforce-t-il notre souveraineté énergétique, sanitaire et alimentaire? Car ne vous y trompez pas, la prochaine pénurie qui nous guette touchera nos assiettes. À force de mettre des bâtons dans les roues de nos agriculteurs et de nos éleveurs, notre capacité de production agricole s'amenuise dangereusement. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, l'incapacité de notre administration à accompagner les projets de stockage de l'eau pour comprendre que le risque, c'est de manger demain américain ou brésilien. En agriculture, comme dans tous les secteurs de l'économie, notre pays crève de suradministration et d'inflation des normes. Voilà pourquoi nous défendons l'idée de sobriété bureaucratique pour moins d'administration centrale et plus d'économie budgétaire. Car d'économie dans votre budget, monsieur le ministre, j'ai beau chercher, mais je n'en vois point. Le mur de la dette approche à grande vitesse et vous foncez en klaxonnant. Les dépenses courantes hors crise augmentent de 63 milliards d'euros rien que pour l'année 2023. Le déficit annuel annoncé, sans sourciller, est de 155 milliards d'euros. La dette du pays va dépasser les 3 000 euros. La charge de la dette va avoisiner, mes chers collègues, les 60 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous allons consacrer, je crois qu'il faut que les Français le mesurent bien, nous allons consacrer pour la première fois de notre histoire autant d'argent public pour payer les intérêts des emprunts du pays que pour éduquer nos enfants. Nos enfants qui devront rembourser pour nous, alors que la remontée des intérêts devrait vous inviter à vous faire plus fourmis que cigales. Et ce ne sont pas les dépenses de la période Covid ou de la crise qui sont en cause. Il fallait le faire, nous les avons votées, car ces dépenses ont été pour l'essentiel utiles. Mais comme l'a démontré la Cour des comptes, avec son scalpel impartial et incontestable, la réalité, c'est que le déficit hors dépenses crise continue à plonger. C'est irresponsable avec le retour de l'inflation et la remontée durable des taux, et c'est prendre un risque considérable sur la soutenabilité de la dette, avec là aussi des dangers pour notre souveraineté. C'est d'autant plus regrettable qu'au-delà d'économies réalistes et réalisables, nous pouvons travailler ensemble, sur tous les bancs, sur de nouvelles recettes budgétaires qui ne ciblent pas toujours les mêmes, qui ne ciblent pas toujours ceux qui travaillent, ceux qui investissent dans l'économie réelle et qui tirent la charrue. Je pense à la lutte contre l'évasion fiscale, pour laquelle, à mon initiative, la Commission des finances a adopté la semaine dernière un amendement sur le retour de l'exit tax.
c'est potentiellement 800 millions d'euros de recettes budgétaires supplémentaires pour l'État, pour plus de justice fiscale. Et de l'exit tax à la contribution exceptionnelle sur les super-profits des géants de l'énergie, il n'y a qu'un pas que je franchis. Car je suis convaincu d'abord que ce débat peut transcender les clivages. Et oui, ces super-profits, ces rentes de situation, ces captations de richesses sans valeur ajoutée doivent contribuer à la solidarité. Des milliards d'euros qui nous seraient bien utiles pour prolonger, par exemple, la remise de taxes à la pompe au-delà du 1er janvier 2023 dans toutes les stations de France. Des ressources nouvelles dont la vertu est de figurer hors dette et hors périmètre actuel du budget de l'État. Monsieur le ministre, quand on emprunte comme la France 270 milliards d'euros sur les marchés, ces questions, il me semble, qu'on doit se les poser. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate et pour 5 minutes, la parole est au président Mattei. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre et adopter le premier budget de ce quinquennat, qui est de nouveau un budget de défense, de pouvoir d'achat et de l'emploi. Face à la continuité des crises sanitaires et économiques que notre pays subit bientôt depuis 3 ans, nous avons l'obligation d'ajuster en permanence le cadre légal pour les surmonter. C'est ce que nous avons fait cet été avec les mesures pour le pouvoir d'achat qui ont permis de revaloriser à un niveau historique de 4% les pensions et minima sociaux et d'instituer un bouclier tarifaire sur les produits de première nécessité et l'énergie. Ce qui a permis à la France d'être aujourd'hui le pays d'Europe où l'inflation est la plus faible et de constater malgré tout le dynamisme des recettes fiscales et non fiscales. Nous avons déjà beaucoup parlé dans cet hémicycle de CVAE. Il s'agit d'une taxe relativement récente, créée en 2010 après la suppression de la fameuse taxe professionnelle. Hélas, elle a pour effet pervers de taxer le tissu industriel français et de nuire à la réindustrialisation dont nous avons besoin pour assurer notre souveraineté économique. Avec ce PLF, nous achevons la réforme opérée l'an dernier par la suppression de sa part régionale en programmant sa disparition d'ici 2 ans. Je comprends le gouvernement dans sa volonté de rendre notre territoire attractif avec une vision à long terme. Je voudrais rassurer les collectivités territoriales quant à la perte de recettes qui en résultera. La solution proposée, avec une fraction de taxe sur la valeur ajoutée, permet, à l'instar de toutes les réformes fiscales locales intervenues depuis 2017, une compensation à l'euro près. Et il me semble que c'est une bonne tendance, si ce n'est qu'il faudra avoir un point de vigilance sur la partie TVA, je dirais, dynamique sur les territoires. On aimerait bien avoir une vision assez claire sur son dispositif. L'État continuera à soutenir les collectivités face à l'augmentation de leurs coûts énergétiques et dans leur démarche de rénovation des bâtiments publics. Nous savons tous que la seule façon de réduire la dépendance énergétique est de diminuer les consommations passives dont les bâtiments sont les premiers acteurs. Cet engagement de sobriété énergétique concernera d'ailleurs l'ensemble de l'économie française à travers le plan dévoilé par la Première ministre vendredi et qui s'inscrit dans la continuité des objectifs de la loi climat déjà déclinée dans le plan de relance et dans plusieurs PLF et PLFR. À ce titre, je voudrais évoquer la nécessité d'opérer une réforme de la fiscalité immobilière sur des critères de performance environnementale et sociale. Nous proposons, avec le groupe démocrate, de créer un statut de l'investisseur immobilier. Il s'agirait par une fiscalité incitative, aussi bien concernant l'IFI que les revenus fonciers, de récompenser les bailleurs vertueux par opposition aux bailleurs attentistes. La réforme imposerait des critères de performance énergétique, des logements élevés en accord avec la loi climat et la pratique des loyers encadrés par conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat. Nous proposons aussi de taxer les flux des capitaux plutôt que les stocks via une taxe additionnelle aux plus-values réalisées lors de la vente d'un bien immobilier dès que celle-ci dépasse 2 fois le prix d'achat, notamment en zone tendue. Cette réforme irait de pair avec la suppression de l'abattement pour durée de détention. Je pense que cette solution pourrait donner des moyens financiers aux collectivités locales pour investir dans le logement social et notamment dans les zones de forte spéculation foncière.
Enfin, nous espérons que des amendements de bon sens liés à la petite entreprise, et notamment l'entreprise individuelle, seront entendus. Au premier rang, le relèvement du plafond du taux d'IS qu'évoquait tout à l'heure ma collègue Véronique Louwagie, à 15%. Mais au-delà de ces quelques propositions un peu techniques, nos débats dans cet hémicycle doivent permettre d'avancer sur tous les sujets. Nous sommes tous ici investis de la responsabilité de légiférer. Cela implique de débattre en conscience des propositions de réforme qui permettraient d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je pense que la stratégie de blocage que certains sur ces bancs pourraient chercher à avoir en ce qu'elle bloquerait et créerait une forme d'embolisation du débat parlementaire et nous obligerait à avoir recours au 49-3 n'est pas la bonne méthode. En ce qui nous concerne, quelle que soit l'issue de nos débats, nous y prendrons part avec l'ouverture d'esprit et le sens de dialogue qui caractérise notre groupe, dans un soutien résolu et constructif au gouvernement, et nous assumerons jusqu'au bout notre rôle de parlementaire démocrate, membre de la majorité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Philippe Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, c'est avec une forte impression de déjà-vu que je m'adresse à vous aujourd'hui sur le sujet de la loi de programmation des finances publiques. Car c'est, je le crois, dans le même hémicycle qu'en juillet dernier, nous discutions du programme de stabilité présenté par ce même gouvernement et qui poursuivait les mêmes objectifs. Rassurer les marchés, rassurer la Commission européenne, rassurer la Cour des comptes, transformer en chambre de la prédiction et de la conjecture, cette Assemblée dépense son temps à débattre de textes à l'utilité toute relative. Initiés à l'époque de la crise financière et de la crise des dettes souveraines, les programmes de stabilité et autres lois de programmation tentent de démontrer une chose, tout est sous contrôle, nous savons où nous allons, ou plutôt, nous ne savons pas où nous allons, mais rassurez-vous, nous y allons avec détermination. Le Haut Conseil aux finances publiques le dit clairement à propos des lois de programmation passées, non contraignantes, reposant sur des hypothèses généralement optimistes et rapidement obsolètes, leurs objectifs n'ont que rarement été atteints. Et nous ne pouvons que le constater. Jamais nous n'avons en effet respecté la norme proposée par le TSCG, l'article 3 du TSCG et visant à un retour à l'équilibre de moyen terme de 0,5% de PIB de dépenses de déficit structurel. Et ce projet de loi de programmation des finances publiques ne le propose d'ailleurs même pas. Jamais non plus la France n'a été sanctionnée en vertu de l'article 8 du TSCG pour non-respect des obligations fixées dans la loi de programmation. Pour paraphraser un ancien Premier ministre, cette loi de programmation nous montre une route bien droite, mais oublie de nous dire que sur cette route, la pente est forte. Le nouveau gouvernement ne transige pas avec cette tradition d'optimisme, au mieux volontariste, au pire insincère. Les hypothèses d'écart de production en 2022, moins 1,1 point de PIB potentiel et de croissance potentielle, 1,35% par an de 2022 à 2027, sont certes qualifiées d'optimistes par le Haut Conseil. Plus qu'optimistes, leur fondement est fallacieux. L'hypothèse de croissance potentielle suppose des effets épatants, immédiat des réformes du RSA, des retraites, de l'assurance chômage et de l'apprentissage, dont on ne connaît aujourd'hui ni les modalités, ni l'impact, ni même le calendrier, et qui pourtant produisent déjà leurs effets miraculeux dans l'imaginaire du gouvernement. De même, tout l'effort de maîtrise de la dépense publique repose sur la hausse prévue de certaines recettes par la suppression de niches fiscales et par la lutte contre la fraude. Si on peut saluer ces ambitions, elles relèvent ici encore de l'incantation. Pour dissiper ce flou, nous avons, nous, les socialistes, proposé en commission de mettre fin, par exemple, à l'avantage fiscal accordé depuis 2003 aux armateurs et qui permet de calculer l'assiette de l'impôt sur les sociétés à partir du tonnage de la flotte et non des bénéfices réels de la compagnie. Nous pensons qu'à l'heure où le leader français des armateurs a gagné 6,66 milliards d'euros de janvier à mars 2022, soit en trois mois davantage que les bénéficiaires annuels des 33 des 40 sociétés du CAC 40, nous pouvions espérer que la majorité saisisse cette occasion de supprimer une niche fiscale illégitime. Eh bien, il n'en a rien été. Le gouvernement reste dans l'incantation quand nous tentons d'apporter des solutions justes et concrètes. Alors, je comprends
la fébrilité du gouvernement qui nous dit « Chers collègues, si nous n'adoptons pas de loi de programmation, nous risquons de voir un certain nombre de crédits européens bloqués, nous risquons de voir la signature de la France dévalorisée. Soyez responsables, votez la loi de programmation qui vous est présentée. » Nous avons déposé des amendements en commission des finances, car nous ne partageons pas la même analyse de la situation économique du pays, nous l'avons dit. Ces amendements, il n'en a rien été fait. Et moi, ce que je veux dire au ministre, si vous voulez que cette loi de programmation soit adoptée, adoptez les amendements socialistes. Merci. Merci, monsieur le député. Avant d'appeler l'orateur suivant, j'en profite pour saluer le public, encore nombreux venus ce soir écouter les débats. Et pour le groupe Horizon, j'appelle madame Félicie Gérard pour 5 minutes. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous y voilà. Après de nombreuses lignes dans la presse, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, de nombreuses analyses d'experts sur les plateaux télé, nous voilà au début de l'examen du budget en séance publique à l'Assemblée nationale. Plutôt que d'évoquer les votes des uns et des autres, les stratégies des différents groupes parlementaires pour se faire entendre, plutôt que de spéculer sur l'utilisation possible d'articles de la Constitution pour permettre l'adoption du texte, j'aimerais vous parler du contenu. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 et le projet de loi de finances pour 2023 ne sont pas des textes anecdotiques. Ils donnent l'orientation de nos finances publiques à 1 an, 5 ans et en vérité bien au-delà. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Lutte contre l'inflation, renforcement du régalien, accentuation de l'investissement dans la transition écologique, poursuite de la politique vers le plein emploi, c'est de l'avenir de notre pays dont nous allons débattre aujourd'hui. La réponse à ces défis doit être apportée dans un cadre de finances publiques contraint. La crise sanitaire a laissé des stigmates importants. Si le « quoi qu'il en coûte » était une nécessité et a permis de préserver à la fois des emplois, le pouvoir d'achat des Français et les capacités d'investissement des entreprises, il a également aggravé l'état des finances publiques de notre pays. Des finances publiques qui commençaient à peine leur rétablissement. La forte inflation que nous connaissons depuis près d'un an agit dans une seconde lame, tant les mesures apportées pour y faire face sont coûteuses. Boucliers tarifaires, chèques exceptionnels, mesures de soutien au pouvoir d'achat, tous ces dispositifs sont nécessaires, mais devront être les plus temporaires possibles. Nous sommes dans une situation délicate, c'est vrai, mais les fondamentaux de notre économie tiennent bon. Ils tiennent bon grâce à la politique économique menée par les gouvernements successifs et la majorité depuis 2017, visant à baisser les prélèvements obligatoires et rendre notre pays plus attractif pour les investissements. La croissance devrait s'établir à 2,7% cette année et aux alentours de 1% l'année prochaine. Le taux de chômage évalué à 7,4% au deuxième trimestre 2022, le taux le plus bas depuis plusieurs années. Ce budget permettra de poursuivre la politique ambitieuse en faveur de l'emploi. Alors que le chômage de masse était la norme il y a encore quelques années, l'objectif d'un retour au plein emploi semble désormais accessible. Les résultats tangibles en matière de politique d'apprentissage, par exemple, sont la preuve que la volonté politique permet des réussites. Capitalisons là-dessus. Au rang des autres priorités portées par la majorité depuis 2017, je veux souligner au nom du groupe Horizon et apparenté, la poursuite de l'effort budgétaire en faveur des ministères régaliens. Le budget de la justice augmentera pour la troisième année consécutive de 8%, tandis que celui de la défense sera une nouvelle fois respectueux de la loi de programmation militaire. Conformément à l'engagement du président de la République, ce sont enfin plus de 3 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui seront,
qui seront recrutés en 2023 afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Ces dépenses, aussi indispensables soient-elles, pèsent lourdement sur nos finances publiques. Chacun d'entre nous souhaiterait bien sûr que des efforts plus importants soient consentis pour réduire la dépense publique. Mais le cap est clairement affiché. Le retour sous les 3% du déficit à horizon 2027. Il s'agira de tenir bon et de respecter les engagements pris. Le sérieux budgétaire est essentiel. Il en va de notre crédibilité, mais surtout de notre souveraineté. Une dépense publique non maîtrisée et une dette publique qui s'envolerait seraient synonymes de grands dangers pour notre avenir et pour notre pays. Le groupe Horizon est apparenté vote en faveur de ces deux projets de loi et se tient naturellement aux côtés du gouvernement pour accompagner sa volonté réformatrice, notamment sur la nécessaire réforme des retraites. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe écologiste, la parole est à Madame Christine Arrigui pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues enrhumés et les autres, gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Cette citation, vous la connaissez toutes et tous par cœur. Et c'est bien l'idée qui sous-tend la loi de programmation des finances publiques. Prévoir une trajectoire financière globale de l'ensemble des administrations publiques. En démocratie, gouverner, c'est aussi écouter et surtout prendre en compte les propositions faites dans l'intérêt du pays. Après le rejet de la loi de règlement, l'alerte était donnée sur le déficit de confiance en la politique gouvernementale. Le rejet du pacte de stabilité a confirmé cette défiance dans les projections à venir. Le rejet de l'actuel projet de loi en commission des finances montre que le gouvernement n'a tenu compte d'aucun de ces signaux et ce ne sont pas les dialogues de Bercy qui y ont remédié. Car en matière de co-construction, nous avons assisté à un pur exercice de communication puisque aucun de nos amendements n'a été retenu, ni sur les super-profits, ni sur la CVAE, ni sur la taxation des avions d'affaires, et nous étions là au dialogue de Bercy, Monsieur le Ministre. L'objectif principal du gouvernement est donc le retour du déficit sous les 3% d'ici la fin du quinquennat, en bridant les dépenses alors même que les besoins sociaux et écologiques sont prégnants et qu'une réforme des règles budgétaires à l'échelle européenne est en préparation. Vous proposez une réduction aveugle des déficits publics. Nous sommes pour l'octroi de moyens suffisants au financement des services publics. Seul à même, en ces temps de crise qui se succèdent et se percutent, de servir d'amortisseur social pour les plus précaires. Vous voulez baisser les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales de 2%, de 0,5% par an en volume. Nous proposons une baisse de 0,1% pour permettre à ces mêmes collectivités d'accélérer leurs investissements en matière de transition écologique et énergétique. Quand vous persistez dans votre politique fiscale de l'offre qui se traduit par la suppression de la CVAE pour un coût de 8 milliards d'euros, nous proposons le maintien de cette recette fiscale, surtout en cette période tendue pour les finances, une mesure indispensable que toutes les collectivités approuvent. Vos prévisions d'évolution du déficit de la dette publique tiendront seulement si cette conjoncture ne se dégrade pas. Or, personne ici n'est en mesure de confirmer cette hypothèse. Il est donc temps de passer d'une société où on réagit dans l'urgence et dans l'émotion, voire parfois dans l'accusation au moment des forêts et du travail de l'ONF, que nous félicitons aujourd'hui pour son investissement et son implication malgré les réductions d'effectifs qu'elle a subies. Donc il est temps de passer de cette société à une société où on prévient les risques plutôt que de les subir. Et cela passe par des investissements massifs dans la transition écologique, tels que la rénovation, l'isolation des bâtiments, tels que les transports en commun, tels qu'un système de santé robuste, tels que des investissements vertueux pour l'écologie et des services publics indispensables pour les plus précaires.
Monsieur le ministre, monsieur Attal, après le quoi qu'il en coûte, le combien ça coûte pour l'écologie n'est pas une question à se poser. Car se poser cette question, c'est nier les urgences sociales de la fin du mois, c'est nier l'urgence écologique qui pourrait tout emporter par l'effondrement un à un des piliers de notre existence même. À la politique au coup par coup d'assurance des chocs doit succéder une ambitieuse politique de prévention et de réparation. Et donc, à position inchangée de votre part, telle que vous en témoignez tout au long de ce parcours depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, votre vote sera identique. Nous n'approuverons pas cette loi. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Madame Karine Lebon, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Fidèle à la spécificité de notre groupe, profondément attaché à la place des Outre-mer dans la République, nous allons aborder à présent spécifiquement les politiques menées dans ces territoires, comme l'a précédemment annoncé Nicolas Sansu. Dans un premier temps et sans surprise, nous nous alarmons du manque de moyens attribués aux collectivités locales ultramarines. Leurs marges d'autofinancement ne font que diminuer tandis que le taux d'endettement augmente. L'inflation, déjà plus marquée en Outre-mer, renchérit un peu plus nos dépenses de fonctionnement, alors même que l'heure n'est certainement pas à l'austérité dans ces territoires, compte tenu des besoins sociaux. Il y a à peine quelques mois, l'INSEE rappelait que la grande pauvreté est jusqu'à 15 fois plus fréquente dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine, en ajoutant que le niveau de vie médian en Outre-mer est inférieur de 50% à celui des Français vivant en Hexagone. En d'autres termes, si la France hexagonale avait le même taux de pauvreté que la Réunion, qui est loin d'être le pire des départements d'outre-mer à ce sujet, à savoir 37%, elle connaîtrait près de 25 millions de pauvres. Je vous laisse faire les calculs pour la Guyane, où 53% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors oui, ce budget n'entérine pas une baisse des moyens, mais il poursuit la trop lente augmentation déjà constatée lors du PLF 2022. Un simple seau d'eau ne suffira pas à éteindre le feu de forêt qui s'abat sur nos territoires. Une hausse substantielle est plus que nécessaire pour pallier les retards d'investissement. Et nous défendrons un certain nombre d'amendements dans ce sens avec l'ensemble de mes collègues du groupe GDR. Au-delà des collectivités, la prise en compte de la situation du tissu économique ultramarin pose également question. La principale mesure de soutien pour les entreprises, la suppression de la CVAE, ne touchera que très peu les entreprises ultramarines. En effet, au-delà même des abattements spécifiques à nos territoires, cet impôt concerne les entreprises qui dépassent 500 000 euros de chiffre d'affaires, soit une partie infime de notre tissu économique composé essentiellement de petites entreprises. De plus, nous regrettons que dans le cas ultramarin, la question de la pérennisation des dispositifs de soutien ne se soit pas posée. Il est particulièrement nécessaire de protéger nos TPE-PME qui subissent de plein fouet l'inflation et qui font toujours face aux impacts délétères du trop grand nombre de concentrations. L'inflation est en partie contenue pour les ménages avec le bouclier énergétique. Oui, mais la hausse de 15% est beaucoup trop importante. Alors que nombre de nos concitoyens vivent au jour le jour et à l'euro près, en Outre-mer plus qu'ailleurs, votre mesure ne prend tout simplement pas en compte la réalité du terrain. En outre, le dispositif lui-même est très critiquable. Aucune progressivité n'est mise en place, si bien que ce sont les ménages les plus consommateurs, et donc bien souvent les plus aisés, qui bénéficieront le plus de votre mesure. Toujours au sujet du bouclier, il est important de noter que les sources d'énergie ne sont pas les mêmes sur le continent et dans nos territoires. Les entreprises ultramarines ne vont par conséquent pas bénéficier du bouclier tarifaire pensé pour l'Hexagone. Et la hausse de fonctionnement qui en découle va se répercuter mécaniquement par une augmentation de 15 à 20% des prix pour les ménages, notamment en ce qui concerne les entreprises de distribution d'eau. Il faut urgemment adapter le bouclier tarifaire aux Outre-mer, sous peine sinon de menacer notre capacité de production, nos emplois locaux et notre pouvoir d'achat. Personne n'a intérêt à voir encore l'inflation s'aggraver. Dans cette perspective, et afin de protéger davantage nos concitoyens, d'autres fonds pourraient être aussi mis à contribution
Nous pensons ici à CMA CGM, Total Energy et toutes ces entreprises qui font à l'heure actuelle des super profits, y compris en Outre-mer, où les situations de quasi-monopole tendent à accentuer de telles disparités économiques. Quand le pays tout entier connaît diverses crises successives, il ne devrait plus être du registre du tabou de parler de redistribution. En conclusion, malgré quelques ajustements, le compte pour nos territoires ultramarins avec ce PLF n'y est pas. Il n'est pas question ici de dire que l'État travaille contre les Outre-mer, mais plutôt de relever le fait que le réflexe Outre-mer n'est pas présent dans vos politiques publiques. Force est de le constater. Mais nous continuons à espérer que la nouvelle configuration, mais aussi la situation sociale, encore plus délicate dans nos territoires, vous mettra devant l'évidence. Un changement de braquet net sur la politique menée en Outre-mer est plus que jamais nécessaire. Nous vous appelons à écouter le terrain pour construire ensemble un PLF 2023 à la hauteur des défis et enjeux qui attendent la France des Outre-mer comme hexagonale. Je vous remercie. Merci Madame la députée pour le groupe Liot. Et pour 5 minutes, Monsieur Jean-Louis Bricout. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, nous abordons un moment parlementaire particulièrement important pour nos concitoyens. Oui, quand j'écoute mon territoire, ces hommes et ces femmes, tout le monde attend de l'État, tout le monde attend un État interventionniste, un État régulateur. Les agriculteurs, les entreprises, les ménages, les collectivités. Vous avez été confronté à des crises et pour les dernières, il vous a suffi, parce que c'était possible, parce que c'était facile, d'activer la dette pour soutenir l'économie et partiellement les ménages. Aujourd'hui, c'est bien différent. L'inflation et les taux d'intérêt galopent, la dette nous a rattrapés. Face à cette situation, vous savez que la croissance et les économies sur la dépense publique ne suffiront pas à satisfaire les attentes multiples. Dans une logique d'équilibre budgétaire, la recherche de nouvelles recettes s'imposait, à condition, bien sûr, de leur donner un caractère solidaire et équitable. Eh bien non, vous ne revenez pas sur l'ISF, vous ne touchez pas l'impôt sur les revenus du capital, pas plus au PFU, vous faites semblant de taxer les super-profits, vous restez inactif sur la fraude fiscale, et j'en passe. Votre entêtement et votre dogmatisme conduit à redistribuer moins à ceux qui en ont pourtant le plus besoin. Qu'importe leurs attentes, qu'importe les souffrances sociales, qu'importe les difficultés économiques. Effectivement, on est loin du compte sur tous les enjeux, comme le pouvoir d'achat des ménages, l'aide aux petites entreprises et aux agriculteurs qui n'en peuvent plus. Pire encore, votre budget est une cure d'austérité que vous souhaitez voir supportée par les collectivités. Raison pour laquelle les associations d'élus considèrent votre budget comme calamiteux, hors sol, déconnecté de la ruralité et qu'il manque au principe de libre administration. Vous avez fait l'unanimité, mais l'unanimité est contre vous. La vérité, c'est que nos collectivités savent anticiper, gérer, accompagner les crises. Vous leur devez reconnaissance et soutien. La vérité, c'est que les marges vont être consommées par l'inflation. Messieurs les ministres, le filet de sécurité de 430 millions d'euros adopté cet été n'y suffira pas. On attend de vous un prolongement chiffré de la mesure. La vérité, c'est que l'épargne des collectivités va être majoritairement orientée vers le fonctionnement et que nous courons le risque grave que l'investissement soit sacrifié aux dépens de l'économie locale, le bâtiment ou les travaux publics. Si vous partagez cette vision, alors vous reviendrez sur la suppression de la CVAE. Le groupe Liot y voit plusieurs écueils. Le premier, le coût de la mesure, près de 8 milliards d'euros sur 2 ans, est difficilement compréhensible face au contexte budgétaire et à l'urgence de financer des mesures en réponse à l'inflation. Le deuxième point, c'est l'absence de ciblage. La baisse annoncée sera indifférenciée. Résultat, les 2/3 de l'enveloppe seront captés par les plus grandes entreprises. Pire, des secteurs qui n'ont pas sollicité d'aide en bénéficieront fortement, à l'image des activités financières et de l'assurance. Enfin, la part dynamique de la fraction de TVA qui compense en fin de compte la perte de CVAE au département alimente un fonds qui sera réparti suivant un critère de dynamisme économique qui n'est d'ailleurs pas une compétence du département
En deux mots, vous manquez une occasion de péréquation au profit des départements les plus difficiles. On vous proposera le choix de critères sociaux pour répartir ce fonds. Vous l'aurez compris, nous sommes opposés à la suppression de la CVAE. À l'inverse, notre groupe demande la reconduction du filet de sécurité inflation afin d'éviter que les usagers des territoires ruraux et des communes pauvres ne soient privés de services publics essentiels. Deuxième sujet bloquant pour les élus des territoires que nous sommes, la dotation globale de fonctionnement. Messieurs les ministres, lorsque vous avancez une stabilité de la DGF autour de 26 milliards, vous n'y croyez pas vous-même et vous savez qu'il s'agit là d'un véritable trompe-l'œil budgétaire. L'AMF voit dans cette absence d'indexation un prélèvement de l'État de près d'un milliard d'euros. Vos amendements de dernière minute, c'est à peine la moitié. Au groupe Liot, nous n'avons pas peur de dire que nos collectivités sont des amortisseurs de chaque crise, qui permettent à la France de se relever à chaque fois. Les collectivités sont tout à la fois des acteurs économiques prépondérants et des artisans de la République partout. Les élus locaux ont besoin de visibilité et de confiance. Confiance qui passe par une stabilité des ressources via une indexation de la DGF sur l'inflation. Alors des choix. Ne tournez pas le dos aux acteurs de la République, ne tournez pas les dos aux territoires. Merci. Merci, monsieur le député. Au titre des non-inscrits, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils continuent à nous mentir. Cette célèbre citation de Solzhenitsyn résume votre politique. Vous nous présentez un budget fondé sur des hypothèses fausses, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil aux finances publiques. Une croissance surestimée, une inflation et des taux d'intérêt minorés, et donc un déficit largement sous-estimée. Quant à la loi de programmation des finances publiques, la sixième en 13 ans, elle est devenue une pure fiction. En vérité, vous mentez pour vous dédouaner de vos responsabilités tout en cherchant à plaire à vos maîtres, la Commission de Bruxelles, l'Allemagne et les marchés financiers. Il est vrai que l'habitude de la soumission suscite toujours l'infantilisation, la dissimulation, le mensonge. C'est vous, monsieur le ministre, qui avez d'ailleurs évoqué en commission le 4 octobre dernier qu'il s'agissait d'une exigence européenne et que vous aviez donc besoin de ce vote pour avoir les fonds du fonds de relance qui vont nous coûter beaucoup plus cher demain. Comme vous ne voulez pas reconnaître le fiasco de votre politique économique, vous vous inventez un monde budgétaire parallèle. Oui, fiasco de votre politique, fiasco des grands discours présidentiels jamais suivi d'effet sur la souveraineté industrielle, sans parler du fameux ruissellement de la suppression de l'ISF qu'on attend toujours. Fiasco du prétendu sérieux budgétaire, quand on découvre que l'État a emprunté, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à Bercy, a emprunté 150 milliards en émettant des obligations indexées sur l'inflation, qui, comme les Échos l'ont écrit le 30 juin dernier, représente un surcoût de 15 milliards pour 2022. Une véritable honte, d'autant que les conditions économiques depuis 2015 permettaient d'emprunter à taux fixe. Et je demande, mes chers collègues, une commission d'enquête parlementaire pour savoir comment vous avez pu être aussi incompétent. En définitive, vous êtes dans une impasse complète. Et vous ne savez pas en vérité comment vous en sortir. Seule une politique radicalement différente permettrait de retrouver une marge de manœuvre conciliant sérieux budgétaire, relance de l'activité, responsabilité sociale. Une politique d'abord radicalement différente passe tout d'abord par la réduction des grands gaspillages qui ruinent nos finances. Le scandale des millions de fausses cartes vitales qui a été dénoncé par l'IGAS, l'IEGF, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes. 20 milliards d'euros minimum. L'explosion de la contribution nette de la France à l'Union européenne, qui était, mes chers collègues, de 1 milliard en 2000, 4,3 milliards en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé, et qui va dépasser les 10 milliards. Alors comment accepter de sacrifier notre hôpital, de mal payer nos enseignants, de décaler maintenant l'âge de la retraite,
Tout cela pour pouvoir donner de l'argent à la Turquie de M. Erdogan, pour financer les délocalisations de nos usines vers la Pologne, pour augmenter les salaires des bureaucrates de la Commission, pour financer les profits des industries pharmaceutiques tant choyées par Mme von der Leyen, qui d'ailleurs refuse de divulguer ses SMS avec le patron de Pfizer. Oui, une politique radicalement différente doit rechercher des économies. Mais une politique radicalement différente passerait ensuite par la fin de votre soumission à l'égard de l'Union européenne et de l'Allemagne, qui nous coûte très cher, notamment dans le domaine énergétique. Comment expliquer votre refus totalement incohérent, absurde, de rompre avec le prix de marché européen de l'électricité comme l'ont fait les Portugais et les Espagnols, si ce n'est pour céder à l'ordre de Berlin ? Comment obliger EDF à vendre 50 euros le mégawatt l'électricité de nos centrales à des opérateurs privés ? On marche sur la tête. Et plutôt que d'inventer des mécanismes délirants, il faut renouer avec un prix national calqué sur le coût de production d'EDF. Enfin, une politique radicalement différente musclerait davantage nos entreprises qui relocalisent et produisent sur le sol français. Mais vous faites tout l'inverse en refusant d'étaler les PGE, dont le remboursement asphyxie nos PME, sous prétexte que la Commission de Bruxelles y verrait une aide étatique déloyale. Mais comment alors accepter de voir nos PME mourir alors que l'Allemagne, qui n'a pas vos pudeurs et qui défend son intérêt national, débloque 200 milliards d'euros pour sauver ses entreprises ? En définitive, ce terrible budget révèle votre politique de faux-semblants permanents. Vos artifices ne trompent plus personne, mais font souffrir les Français, les PME, les collectivités locales. Aussi, il y a urgence à bloquer ce budget pour vous empêcher de nuire plus longtemps, à voter la censure si vous utilisez le 49.3 et à revenir devant les Français. Merci, monsieur le député. Pour le groupe du Rassemblement national et pour 5 minutes, la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci, vous avez retenu la leçon. Comédien. Monsieur le Président, monsieur les ministres, chers collègues. Comédien, tragédien. Voilà comment le pape Pie VII aurait accueilli Napoléon à son retour du front russe, quand il tentait de séduire le pontife par tout le panel de sentiments. En ces temps de crise, la France aurait bien besoin de génie, mais n'est pas Bonaparte qui veut. Vous avez pourtant tenté, monsieur Attal, de jouer tantôt au comédien, tantôt au tragédien. D'abord, la comédie des dialogues de Bercy. Vous avez tenté, monsieur le ministre, et parfois avec un certain doigté, les postures les plus aimables et les mots les plus doux pour convaincre les Français que vous étiez prêts à faire évoluer le texte. Quelle comédie que vos promesses de redressement des finances publiques. Nous n'étions même pas nés, monsieur Attal, qu'un autre représentant de l'arc de la raison était ici pour asséner aux Français que la situation financière était sous contrôle. Je comprends, monsieur Attal, vos appels désespérés auprès de vos anciens camarades socialistes et votre roue de secours LR pour soutenir aujourd'hui les mêmes mensonges qu'ils ont professés hier. Au moins, avez-vous le mérite de la cohérence dans la ruine systématique des finances de la France ? Quelle est large la coalition des gestionnaires en faillite qui habitent encore cet hémicycle, sans compter les donneurs de leçons ? Quelle comédie, car tout cela n'était qu'une vaste opération, et vous le savez, monsieur Attal, de communication, une partie de poker menteur. Vous avez fait d'ailleurs tapis des belles promesses de la présidentielle pour ouvrir ce quinquennat en appliquant la seule feuille de route qui vaille à vos yeux, celle de Bruxelles. L'ombre d'ailleurs de la réforme des retraites plane sur ce PLF, cagnotte indigne faite sur le travail des Français, car vous refusez les vraies économies structurelles qu'il faut faire, l'immigration, l'Union européenne, la bureaucratie, les fraudes. Ainsi, à la comédie, vous avez fait place à la tragédie. Les dirigeants et les parlementaires se sont succédés pour appeler les oppositions à la responsabilité, faisant vibrer avec des trémolos dans la voix le risque et la menace du chaos. Mais le seul chaos, c'est vous. En pleine crise des carburants, rien pour les familles, rien pour aider les automobilistes qui en ont besoin au 1er janvier 2023, rien en pleine crise énergétique pour ceux qui se chauffent au fioul, et même pas ceux qui ont choisi de se chauffer au bois en écoutant vos propres recommandations. En pleine crise alimentaire, votre chèque s'est perdu dans les placards de Bercy au nom d'une technicité que vous êtes incapable d'expliquer aujourd'hui. Où est-il ?
En pleine crise du pouvoir d'achat, vous ne proposez surtout rien, toujours rien, jamais rien pour les salaires. Oui, il faut baisser les impôts de production. Oui, il faut baisser les impôts de production, mais pas sans contrepartie. Après le PS de la NUPES qui avait offert un CICE de 30 milliards d'euros sans contrepartie, vous continuez à sacrifier des milliards d'euros, toujours sans aucun engagement, ni sur l'investissement, ni sur l'emploi, ni sur salaire. Eh bien, face au chaos, il y a l'ordre économique et la justice fiscale de Marine Le Pen. Oui, nous continuons à demander la baisse de TVA sur toutes les énergies, fioul, carburant, gaz, électricité, bois. Nous continuons à demander la suppression de la TVA sur 100 biens de première nécessité, en particulier l'alimentation, dont l'inflation va dépasser les 10%. Oui, nous continuons à demander d'aider les familles et les classes moyennes à travers la politique familiale et des vrais quotients familiaux. Oui, nous continuons à vouloir affronter, nous seuls, les causes réelles de l'inflation, en rendant à la France sa souveraineté agricole, sa souveraineté industrielle, sa souveraineté financière. Oui, nous continuons seuls à proposer des mesures réalistes pour augmenter les salaires réels, pas seulement le SMIC, mais aussi pour les salaires des classes moyennes, jusqu'à 3 SMIC. Oui, nous continuons à demander le rétablissement de la demi-part fiscale des veufs et des veuves, justice élémentaire que tous les Français attendent et que personne ne comprend que vous la refusiez. Oui, nous sommes les seuls depuis le début à demander que chacun contribue à sa juste part. Nous proposons une réforme équitable et juste d'un nouvel impôt sur la fortune spéculative financière. Nous proposons une limitation de la flat tax et nous proposons un vrai imposition des surprofits. Nous avons depuis toujours, pendant que la NUPES voulait les limiter à 300 entreprises, nous sommes les seuls contre la propagande des médias à avoir proposé une vraie taxation juste des surprofits illégitimes. Des illégitimes que vous avez toujours refusé, que vous avez toujours refusé de voter. Car nous sommes les seuls ici, avec Marine Le Pen, à être parfaitement libres, libres de soutenir les mesures qui sont bonnes pour les Français, d'où qu'elles viennent, et surtout quand elles viennent de nous. Alors, monsieur Attal, fini la comédie, fini la tragédie, place à la démocratie. Merci, monsieur le député. Dernier orateur de la discussion générale, pour 5 minutes pour le groupe Liot, monsieur Michel Castellane. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la Commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais, si vous le permettez, aborder 3 sujets budgétaires majeurs, notre ambition écologique, la nécessité d'un meilleur ciblage des mesures et l'importance de la différenciation territoriale. La France et le monde font face à une crise énergétique sans précédent qui devrait nous pousser à réagir avec force et conviction. En matière de mesures fiscales vertes, ce budget ne traduit pas d'avancée, pour ne pas dire qu'il témoigne d'une certaine stagnation. La loi de programmation des finances publiques entend s'attaquer aux niches fiscales défavorables à la transition écologique et énergétique. Je ne veux pas nier les efforts réalisés ni la difficulté des choses, mais la vraie et difficile question est de savoir si ces efforts se révèlent suffisants face aux besoins objectifs. Notre groupe attend une accélération des investissements en faveur de rénovation énergétique des logements. Le bilan de ma prime Rénov' reste décevant, avec en 2021 2500 logements rénovés, alors que l'objectif vise 80 000 passoires thermiques. Nous tenons à saluer la mise en place d'un fonds vert pour les collectivités territoriales à 1,5 milliard. L'approche par les territoires est la meilleure qui soit, en ce domaine comme en d'autres. Nous ignorons cependant tout de son fonctionnement. Concrètement, comment seront décaissés ces crédits ? La collectivité de Corse, par exemple, porte des projets écologiques. Quels seront les critères d'éligibilité ? Nous attendons légitimement de la visibilité. Deuxième point, le ciblage des mesures. Le gouvernement a beaucoup insisté sur ce point. La France est aujourd'hui à l'euro près. Mais dans ce cas, que nous comprenons, pourquoi le budget s'inscrit-il dans une logique de grandes mesures généralisées et uniformes ? Le bouclier tarifaire atteint un coût brut considérable de 45 milliards. L'intention est louable et permet d'éviter une hausse trop forte de l'énergie. Mais les choses étant ce qu'elles sont, le coût doit être contenu. Il aurait été pertinent de moduler ce dispositif pour cibler en priorité les foyers modestes et la classe moyenne. Pour nous, je le rappelle,
le corollaire de ces mesures de soutien du pouvoir d'achat ne pourra être qu'une mise à contribution des entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels, notamment les énergéticiens et les pétroliers. Il ne s'agit en aucun cas de punir, mais de soutenir une logique de solidarité nationale. Je voudrais enfin insister sur la nécessité d'agir de manière différenciée entre les territoires. Toute politique efficiente doit tenir compte des réalités locales. Que nous parlions de territoires urbains, ruraux, insulaires ou ultramarins, le constat est systématique. Les réalités locales diffèrent et nos politiques publiques ne peuvent en faire l'abstraction. Chaque territoire a ses spécificités géographiques, économiques, sociales, culturelles. Elles doivent être prises en compte. Il en va de l'efficacité des budgets et du bon usage de l'argent public. Je pense à cet instant tout particulièrement à la Corse, bien sûr, mais aussi aux Outre-mer. Nous sommes, par notre insularité et notre éloignement, confrontés à des difficultés structurelles. Nous souffrons d'une situation économique et sociale dégradée. Le chômage et la précarité sévissent. L'inflation frappe au quotidien, et notamment les plus vulnérables, avec une hausse particulière des prix de l'alimentation, du carburant ou des loyers. Des dispositifs spécifiques d'accompagnement doivent impérativement être mis en place à destination des citoyens, des entreprises et des collectivités. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la justice, l'égalité ne passent pas par l'uniformité. Nous avons défendu et nous défendrons autant que de besoin la nécessaire adaptation des mesures aux conditions concrètes de vie. Nous ne demandons pas l'aumône, nous sommes en quête de justice. Et la Corse attend aussi qu'un vrai statut fiscal et social de développement, que les moyens législatifs et réglementaires, les compétences d'adaptation lui permettent enfin d'assainir ses conditions économiques et sociales et de conforter sa richesse culturelle. Je tiens enfin à saluer, in fine, l'adoption de plusieurs des propositions de mon groupe en commission. Cela a indiscutablement participé à l'amélioration de ce budget. Et tout ce que nous espérons, c'est qu'elles seront votées en séance. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je n'ai pas d'autres orateurs inscrits. La discussion générale commune est donc close. Et je vais suspendre pour 5 minutes.
La séance est reprise. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un débat sur la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette publique. La parole est à M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les députés, le débat qui s'ouvre maintenant, en parallèle de l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de programmation des finances publiques, est une innovation importante sur le plan démocratique. Le rapport sur la dette, issu du nouveau cadre organique, permet au Parlement, et donc à tous les Français, de disposer à la fois d'une vision précise, synthétique et prospective s'agissant de la dette des administrations publiques. Vous le savez, les travaux conduits par Éric Woerth et Laurent Saint-Martin ont permis de renforcer les moyens d'information, de contrôle et d'évaluation en matière financière, en cohérence avec l'esprit originel de la loi organique relative aux lois de finances de 2001. Et derrière la technicité du sujet, il y a des questions assez simples. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Ce rapport y répond de manière claire en proposant une analyse de la trajectoire, des conditions de financement et de la soutenabilité de la dette, non pas uniquement celle de l'État, mais de l'ensemble des administrations publiques. Nous le voyons, la parenthèse de l'argent gratuit s'est refermée. Les banques centrales, pour contenir l'inflation, sortent des politiques monétaires accommodantes qu'elles ont conduites pendant une décennie. L'ère des taux zéro est révolue, cela s'impose aux ménages, aux entreprises, mais aussi aux États. Ce que je veux dire, c'est que lorsque le taux d'intérêt de notre OAT à 10 ans oscille entre 2,6 et 2,8%, les enjeux inhérents à la contraction de dettes nouvelles ne sont pas les mêmes et donc notre débat ne peut pas être le même. La maîtrise de notre dette, ce n'est pas une question que nous pouvons remettre à plus tard, parce qu'avec plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique, plus tard, c'est trop tard. Avec une charge qui l'année prochaine dépassera les 51 milliards d'euros, plus tard, c'est trop tard. Vous le savez, il existe une notion de finances publiques qui, en des termes experts, traduit l'idée qu'un État ne peut être comparé à un individu au sens où sa durée de vie est illimitée. C'est vrai. On appelle ça la contrainte intertemporelle des administrations publiques. Je sais que certains sont tentés d'en conclure qu'il suffirait de ne rien faire pour voir la courbe s'aplanir au fil du temps, pour voir le problème disparaître année après année comme par miracle. Cette conclusion représente, je crois, une triple erreur d'analyse. Dire que ce n'est pas grave, c'est accepter de transmettre une dette en héritage. C'est faire payer aux générations futures le prix d'une inaction. Bien sûr, la dette existera toujours parce qu'un État aura toujours besoin de financer les grandes transformations, les grands investissements ou les mesures exceptionnelles pour affronter les chocs. Mais ce qui serait insupportable, c'est de laisser à nos enfants un État aux marges de manœuvre totalement amputé par la dette. Un État qui doit faire face à des engagements financiers tels qu'il n'est plus en mesure d'agir pour la croissance et pour le plein emploi. Dire que ce n'est pas grave, c'est faire mine d'oublier que chaque euro d'intérêt remboursé à nos créanciers, c'est un euro de moins pour l'école, pour la transition écologique, pour la justice, pour la police, pour l'armée. Bref, c'est faire mine d'oublier que la dette obère notre capacité d'investissement, soit la vocation même de l'action publique et politique. Dire que ce n'est pas grave, c'est faire preuve de légèreté face à un péril qui s'appelle la crise des dettes souveraines. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'au défaut de paiement de l'Argentine il y a plus de 20 ans. Il suffit de balayer l'histoire européenne des 10 dernières années, la Grèce au bord de l'effondrement, l'Italie et l'Espagne à la merci de l'explosion des taux. Il ne s'agit pas de culpabiliser les Français comme on l'entend parfois. La dette n'est pas une faute, simplement le produit de nos choix et des moyens que nous avons mis en œuvre pour surmonter les crises. Mais sa maîtrise est une responsabilité collective. Maîtriser la dette, c'est faire preuve de responsabilité sur le plan budgétaire. C'est ce que nous faisons. Le déficit public a été ramené de 9% en 2020 à 6,5% en 2021. Il s'établira à 5% cette année et nous reviendrons sous les 3% d'ici à la fin du quinquennat. Maîtriser la dette, c'est aussi conduire une politique de croissance et d'emploi. Oui, c'est le cœur de notre stratégie et nous l'assumons.
augmenter le taux d'emploi pour augmenter le volume d'heures travaillées, augmenter le volume d'heures travaillées pour améliorer notre capacité collective à créer de la richesse et à pouvoir la redistribuer. Donc maîtriser la dette, c'est réduire l'endettement par rapport au PIB, mais c'est aussi augmenter le PIB par rapport à l'endettement. C'est en agissant sur les deux que nous serons capables de trouver le chemin de la soutenabilité. Permettez-moi maintenant de vous dire là où nous en sommes. Au 30 juin dernier, notre dette publique, incluant l'État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités locales et les organismes divers d'administration centrale, s'établissait à 2 916,8 milliards d'euros, soit environ 112% de notre richesse nationale. Celle-ci est constituée en grande partie d'obligations, mais aussi dans une moindre mesure d'emprunts bancaires, en particulier dans le secteur public local. S'agissant de la trajectoire, c'est-à-dire du cap que nous avons fixé et des points de passage, nous avons déjà eu l'occasion d'éclairer cette Assemblée. Nous l'avons fait début août, au moment de la présentation du programme de stabilité transmis chaque année à la Commission européenne. Nous le faisons à nouveau à travers la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027. Celui-ci prévoit une réduction du ratio de dette publique à partir de 2026. Ce dernier, après s'être établi à 112,8% en 2021, atteindrait 111,7% en 2025. Il baisserait ensuite pour atteindre 110,9% en 2027. Je l'ai dit au début de mon propos, nos conditions de financement n'ont plus rien à voir avec celles dont nous pouvions bénéficier il y a encore quelques mois. Cette année, les taux d'emprunt de la France ont fortement augmenté et aussi désormais entre 2,6 et 2,8%. Je veux néanmoins rappeler que la signature de la France inspire toujours un très grand niveau de confiance, notamment auprès des agences de notation. Notre pays est actuellement noté à long terme AA par la majorité de celles-ci. Si les notations sont demeurées stables, la fin des achats nets de la BCE, qui tendait à comprimer les écarts de taux, a entraîné une hausse des écarts de taux entre États. Depuis le début de l'année, ceux-ci sont ainsi passés de 40 à 55 points de base avec l'Allemagne, de moins 40 à moins 50 points avec l'Espagne, la France ayant des taux plus bas que l'Espagne, moins 100 à moins 160 avec l'Italie. La politique de gestion de la dette ne consiste pas seulement à rechercher les meilleurs taux, mais aussi à innover pour en faire un levier de développement de la finance durable. C'est ce que nous faisons au travers d'obligations vertes. Depuis 2017, notre pays a élargi progressivement son offre de titres verts, ce qui lui a permis de répondre à une demande en hausse constante. À la fin septembre 2022, l'encours total de titres verts atteint 52 milliards d'euros, ce qui fait de la France le pays le plus important émetteur souverain de titres verts. Concrètement, ces titres permettent de lever des fonds alloués à des dépenses favorables à l'environnement, en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation à celui-ci, de promotion de la biodiversité ou de lutte contre la pollution. Grâce à notre leadership en matière d'émissions d'obligations vertes, notre pays agit puissamment pour orienter le financement vers la lutte contre le réchauffement climatique. C'est évidemment un motif de fierté, mais aussi un domaine dans lequel nous comptons intensifier encore nos efforts. Et je veux profiter de ce débat pour saluer à nouveau l'expertise de l'agence France Trésor, le travail remarquable de ses agents qui ont su, au cours des années, mener à bien une stratégie de diversification des investisseurs, rendre notre dette plus sûre et donc contribuer à la souveraineté de notre pays. J'en viens maintenant à la question centrale, celle de la soutenabilité de notre dette publique. Cela implique de connaître la charge qu'elle va représenter pour nos finances publiques et donc d'établir des scénarios concernant l'évolution des taux d'intérêt. Le scénario retenu pour la fin 2022 et pour 2023 retient l'hypothèse d'une remontée des taux longs. Le taux à 10 ans s'élèverait alors à 2,5% fin 2022 et à 2,6% fin 2023. Les taux à 10 ans convergeraient à moyen terme au-delà de 3%. Pour 2023, il est fait l'hypothèse que les taux directeurs continueront d'être relevés et que les taux des bons à taux fixe à 3 mois augmenteraient fortement de plus 1,2% fin 2022 à plus 2,1% fin 2023. Je le dis, une remontée durable des taux d'intérêt au-dessus des hypothèses du scénario de référence constituerait un facteur d'augmentation progressive de la charge de la dette. Selon le scénario que nous avons retenu, qui est central dans la loi de programmation des finances publiques,
nous aurions une charge de la dette à horizon 2027 de l'ordre de 60 milliards d'euros. Dans le rapport annexé à la LPFP, vous trouverez d'autres scénarios qui ont été faits en fonction d'une évolution des taux d'intérêt, soit à la hausse, soit à la baisse. Si les taux d'intérêt évoluaient à la hausse par rapport au scénario de référence, avec 2 points de plus, soit les taux auxquels notre pays empruntait au début des années 2000, la charge de la dette à la fin du quinquennat s'établirait alors à 94 milliards d'euros en fin de quinquennat. Cela dit une chose, c'est que notre pays doit être inscrit dans une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques. Un pays présente des finances publiques soutenables lorsqu'il est en capacité de faire face à ses obligations financières à long terme, à politique constante. Autrement dit, si la trajectoire de dette reste contenue à long terme, sans avoir à prendre des mesures additionnelles d'économies en dépenses ou de hausse de recettes. Selon l'indicateur de soutenabilité de notre dette à long terme, calculé avec les projections de la Commission européenne jusqu'en 2070, la stabilisation de notre dette à long terme ne serait pas assurée sans un effort supplémentaire de maîtrise de nos finances publiques. D'où le projet de loi de programmation des finances publiques que nous vous présentons aujourd'hui, dont nous démarrons la discussion aujourd'hui, qui définit une trajectoire de maîtrise de nos dépenses sans laquelle il nous serait impossible d'assurer la soutenabilité de notre dette à long terme. Cet effort qui s'appuie sur la maîtrise de la dépense publique nous permet d'envisager une stabilisation du ratio de dette publique en 2026, puis une baisse à compter de 2027. Mesdames, Messieurs les députés, le constat est clair, nous devons conduire un effort pour réduire progressivement notre déficit et ainsi stabiliser, puis réduire notre endettement. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité impérieuse. Le débat que nous allons avoir peut, à mon avis, s'organiser autour d'un certain nombre de grandes questions. D'abord, doit-on ou pas rembourser notre dette ? On a entendu dans le spectre politique, certaines formations politiques considérer que nous pouvions ne pas rembourser notre dette. Nous considérons l'inverse. Nous considérons que la France doit honorer ses engagements. C'est une question de crédibilité. C'est aussi une question de sécurité. Pour le jour où nous devrions avoir à emprunter à nouveau en raison d'un choc, d'une crise, ou pour faire face à des investissements majeurs nécessaires, nous souhaitons pouvoir le faire et donc nous devons rembourser notre dette. Il peut y avoir ensuite un débat sur le rythme auquel nous pouvons maîtriser nos comptes et rembourser notre dette. J'entends les appels qui sont faits à aller plus vite que le rythme qui a été prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Monsieur Brun, notamment, s'est exprimé sur le sujet, Madame Louwagie également. J'ai entendu les appels à ce qui était appelé un grand plan de sobriété bureaucratique qui financerait l'intégralité des propositions que vous faites et qui permettrait à nos dépenses publiques d'être soutenables. Vous l'avez chiffré à 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, notamment en grande partie via des économies sur les opérateurs. Alors j'ai regardé les opérateurs de l'État, où est-ce qu'on pourrait faire des économies de l'ordre de 20 milliards d'euros ? Si on voulait faire ne serait-ce que 10 milliards d'euros sur les opérateurs de l'État, il faudrait supprimer le CNRS, supprimer le commissariat à l'énergie atomique, une bonne partie des universités, des parcs nationaux. Je pense qu'il faut être précis, factuel, sans faux semblant sur ce sujet-là. De notre côté, nous avons fixé une ligne, un cap. Le cœur de notre stratégie, c'est l'activité économique, c'est la création de richesses qui nous permettra d'avoir des finances publiques soutenables à long terme. La deuxième chose, c'est la maîtrise de nos dépenses. Et nous assumons, ça a été rappelé notamment par Éric Coquerel tout à l'heure, d'avoir fixé dans la loi de programmation des finances publiques le rythme de maîtrise de la dépense publique le plus ambitieux depuis 20 ou 30 ans dans notre pays. C'est le président de la Commission des finances qui l'a dit et nous le remercions de l'avoir salué puisque ça n'était manifestement pas clair pour tout le monde. La maîtrise de notre endettement est une responsabilité qui nous engage tous vis-à-vis des générations présentes comme vis-à-vis des générations futures. Nos débats, que j'espère très riches et constructifs, permettront de partager un constat. Ceux-ci doivent aussi nous permettre de prendre collectivement la mesure des efforts que nous devons faire dans les années à venir pour conserver notre souveraineté et notre capacité d'action. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, bonjour.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, je me félicite de l'organisation d'un débat sur la dette publique pour la première fois dans notre hémicycle. Ce débat est rendu possible grâce à la modification de la LOLF réalisée lors de la précédente législature sous l'impulsion d'Éric Woerth, alors président de la Commission des Finances, et de mon prédécesseur, Laurent Saint-Martin. Afin d'éclairer nos échanges, un rapport nous a été remis par le gouvernement le 30 septembre dernier. Il rassemble de façon inédite, dans un seul document, des éléments agrégés concernant l'ensemble de notre dette, toute administration publique confondue, dette de l'État, de la Sécu et des collectivités territoriales. Nous, parlementaires, fonctionnons encore trop souvent en silo. Nous avons l'habitude de débattre de la dette d'État pendant nos échanges sur le budget et puis de la dette de la Sécu lors de l'examen du PLFSS. Un débat sur la dette publique a d'autant plus de sens aujourd'hui que les enjeux associés sont majeurs et qu'il est nécessaire que nous prenions collectivement conscience de l'importance d'assurer la soutenabilité de notre dette. Le niveau d'endettement public français a considérablement augmenté pendant la crise sanitaire. Notre encours de dette a augmenté de presque 300 milliards d'euros pendant, tandis que le ratio de la dette est passé de 97,5% à 114,6% du PIB. Nous le savons, nous avons fait les bons choix pour soutenir notre économie pendant cette période très particulière, mais cela avait un coût. Pour autant, il nous faut appréhender de façon précise ce qu'il en coûte, justement. Notre ratio de dette publique sur PIB a diminué en 2021, puis en 2022, principalement grâce au rebond de l'activité post-crise sanitaire. Ce ratio devrait s'établir à 11,2% en 2023, mais nous connaissons les incertitudes qui pèsent sur la prévision de croissance pour l'année prochaine. Nous devons aujourd'hui faire des efforts nécessaires pour réduire notre ratio d'endettement malgré l'accélération de l'inflation et la dégradation des perspectives macroéconomiques qui entraînent l'alourdissement de la charge d'intérêt de cette dette. En effet, l'inflation agit immédiatement sur notre stock de dette par le biais des titres indexés sur l'inflation de l'ordre de 10% du stock, ce qui nous a déjà conduit à ouvrir 12 milliards d'euros supplémentaires en loi de finances rectificative en août dernier. C'est d'ailleurs un dur rappel à la réalité pour ceux qui, ici, nous racontent depuis des années qu'on peut augmenter la dette sans conséquence. L'inflation conduit aussi les banques centrales à mettre un terme à leur programme d'achat d'actifs et à remonter leur taux d'intérêt, ce qui se répercute sur le marché des obligations souveraines. Nous empruntons aujourd'hui à un taux qui s'établit légèrement autour de 2,5% et le gouvernement anticipe un taux d'emprunt annuel moyen similaire pour l'année prochaine, légèrement supérieur. Cette hausse des taux a un impact sur notre charge de la dette actuelle, mais surtout sur la charge de la dette future au fur et à mesure que nous renouvelons notre stock de dette. Notre charge de la dette dépasse désormais les 51 milliards d'euros dans le budget 2023, soit le niveau le plus élevé observé ces 10 dernières années. Cette charge de la dette se répercute dans le déficit et réduit d'autant les marges de manœuvre de l'État pour financer d'autres politiques publiques, notamment les investissements indispensables dans la transition énergétique. Dans ce contexte, nous devons absolument faire des efforts pour réduire notre déficit primaire. La crise traversée ces dernières semaines par le Royaume-Uni doit être une alerte pour nous tous. Les marchés annoncent la fin de l'ère de l'argent gratuit et nous disent qu'ils sont attentifs à l'évolution de notre endettement public. Nous devons donc faire preuve de la plus grande prudence concernant le respect de notre trajectoire fixée par le projet de loi de programmation des finances publiques. Et en premier lieu, il convient de l'adopter pour que chacun puisse situer notre ancre ou notre balise et apprécier le chemin que nous empruntons effectivement pour l'atteindre. C'est un engagement que nous prenons face à la communauté internationale et face à nos partenaires européens. Cette trajectoire prévoit une diminution significative du ratio de dette publique progressivement jusqu'en 2027. Elle s'établirait alors à 110,9% du PIB grâce à un déficit de 2,9, soit un niveau inférieur au solde, stabilisant la dette à long terme. C'est ainsi que nous assurerons la soutenabilité de notre dette à long terme. Enfin, pour terminer, je veux le rappeler, la France reste particulièrement
attractive aujourd'hui pour les investisseurs du fait de la liquidité de ses souches et de la qualité de sa signature. Je vais en profiter ici pour saluer le travail de l'agence France Trésor qui s'occupe de façon remarquable de la gestion de notre dette. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Kevin Mauvieux, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la Commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous ouvrons aujourd'hui l'un des débats les plus importants de cette mandature, celui de la dette publique, dont l'État représente à lui seul plus de 80%, qui va atteindre des sommets poussés par des politiques successives aussi peu ambitieuses que coûteuses. Commençons par le constat et par les chiffres actuels de la dette. Le ratio de dette publique est passé de 97,5% du PIB à 114,6% du PIB, atteignant bientôt 3 000 milliards d'euros, comme vous l'avez rappelé. Ce ratio d'endettement public est anticipé à 111,2% du PIB en 2023, donc en légère baisse. Mais ces prévisions reposent sur des estimations de croissance trop optimistes. Le gouvernement mise aujourd'hui sur 1% de croissance pour 2023, alors qu'une récession est très probable et annoncée par de nombreux commentateurs économistes, ce qui aggraverait sensiblement le ratio dette sur PIB. Mais parler de dette uniquement avec le ratio dette sur PIB, c'est une erreur. Effectivement, l'endettement de la France, pour pouvoir diminuer, doit être observé sous le spectre du déficit public. Le principe est pourtant simple à comprendre. S'il vous manque à la fin de chaque année, comme en France, selon l'agence France Trésor, 300 milliards d'euros pour financer vos dépenses, vous ne pouvez que vous endetter. La problématique des finances françaises est donc bien celle du déficit dû aux politiques sans ambition et coûteuses des dernières décennies. Pour preuve, 600 milliards d'euros d'endettement supplémentaire en seulement 5 ans, dont seulement un tiers dû à la crise Covid. Ça, c'est un bilan qui vous appartient. Après le constat, il est nécessaire de relever les différents points de vigilance pour éviter tout dérapage de l'endettement de la France. Le premier point, si ce n'est le plus important et le plus grave, est celui de l'impact de l'inflation sur la charge de la dette en raison d'un encours d'OAT indexé sur l'inflation qui représente plus de 11% du total de la dette de la France, soit 240 milliards d'euros fin 2021. 12 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour financer la hausse de cette charge de la dette ont été ouverts en loi de finances rectificative au mois d'août, en raison, justement, de la révision à la hausse de la charge d'indexation de ces titres. Visiblement, ces titres ne sont pas suffisamment dangereux pour la gestion du gouvernement, puisque celui-ci décide, dans l'indexation de l'inflation, d'utiliser 70% de cette indexation sur le calcul de l'intérêt européen et seulement 30% des titres qui sont indexés sur l'inflation française. Aujourd'hui, l'indexation de l'inflation pour ces titres est donc majoritairement faite sur un taux à plus de 10%, qui aujourd'hui en France emprunterait à plus de 10% d'intérêt. Nous comprenons pourquoi, à leur création en 1998, ces titres répondaient à une demande des banques et des assurances, mais on oublie que quand le créancier gagne, le débiteur paye, et ce n'est pas aux Français ni aux contribuables de renflouer les banques et les assurances. En parallèle à la problématique de ce titre, il est important de surveiller la politique de la BCE, qui remonte ses taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, hausse des taux de 50 points de base en juillet, puis 75 en septembre, ce qui entraîne une hausse des taux d'intérêt sur les marchés de la dette souveraine. Vous le disiez précédemment, l'OAT de la dette française à 10 ans s'achète actuellement à un taux moyen de 2,7% contre zéro fin 2021, alors même que la dette française n'est pas plus risquée sur les marchés qu'à l'époque. Or, une augmentation de 1% des taux d'intérêt a un impact de 2,4 milliards d'euros la première année et jusqu'à 16 milliards d'euros la cinquième année. Ce qu'il va se passer en Allemagne dans les mois à venir va par ailleurs s'avérer crucial pour l'avenir de notre dette et pour les enjeux de la BCE. En effet, l'Allemagne va s'endetter, faire donc remonter à nouveau les taux d'intérêt, et la BCE va donc avoir deux possibilités.
La première étant de rester immobile, ce qui participera à l'augmentation de la charge de la dette sur les titres à taux fixe, avec la hausse des intérêts qui sera laissée libre, soit intervenir avec la planche à billets et donc créer de l'inflation, rendant à nouveau extrêmement cher les OAT qui sont indexés sur l'inflation. Enfin, le remboursement des PGE en pleine crise énergétique pourrait venir aussi fortement que temporairement alourdir considérablement la dette publique. Pour conclure ce propos, je pense que la meilleure des comparaisons est celle qui vise à observer que 51,7 milliards d'euros sont provisionnés pour la charge de la dette en 2023, c'est-à-dire quasiment autant que la mission défense, et qu'avec cette dépense, nous pourrions financer plus de 3 fois la baisse de la TVA sur les carburants pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le président. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant la dette, la dette, la dette, mais cela n'aboutit à rien ou ne résout rien. Ou plutôt, cela provoque ce pourquoi on agite sans arrêt ce débat, c'est-à-dire la peur que la dette impose et ce que l'on met en face, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques, des réformes structurelles, ici les retraites, le chômage, voire des privatisations depuis des années. C'est exactement ce qui va d'ailleurs nous être proposé d'ici 2027, au nom d'un retour à 3% de déficit. Et non, Gabriel Attal, je ne salue pas le fait que vous ayez la plus grande maîtrise des dépenses publiques de la Ve République, je vous le reproche, car cela s'appelle effectivement une cure d'austérité inédite. La première chose que je voudrais dire, c'est d'arrêter de se faire peur avec la dette, pour justement ne pas en faire un épouvantail et subir le chantage que nous connaissons. D'abord, disons-le, le mécanisme habituel qui donne l'impression que l'on parle de l'équivalent d'une dette personnelle avec des montants inquiétants qui se comptent en milliards n'a aucune réalité. On ne présente en effet jamais notre dette publique en comparaison avec ce que nous possédons en tant qu'État, nos actifs, c'est-à-dire le patrimoine, etc. Et en fait, il faudrait comparer la dette avec ce patrimoine net qui, je le rappelle, pour la France, est de plus de 15 000 milliards. D'ailleurs, vous observerez une chose, c'est que quand vous avez des partenariats publics-privés, je pense par exemple au Lyon-Turin contre lequel nous opposons, à chaque fois, les investisseurs demandent une seule garantie. C'est toujours celle des États. Preuve que la confiance est là et c'est bien normal qu'elle le soit. La dette est aussi toujours bizarrement, et vous le faites à nouveau avec ces près de 3 000 milliards qu'on agite comme un épouvantail, présentée au regard du PIB en stock et non pas en flux. C'est un peu comme si, quand vous achetiez une maison, on vous expliquait sur une seule année que vous avez à rembourser l'intégralité de la somme que vous avez empruntée. Il faudrait évidemment la comparer au flux, c'est-à-dire le nombre d'années où vous allez la rembourser. Et dans ces cas-là, on constaterait évidemment que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que vous payez chaque année. Donc non, la dette n'a rien à voir avec celle d'une personne, d'abord parce qu'elle peut être étalée à l'infini dans le temps, sur des centaines d'années, puisque je l'ai dit tout à l'heure, un État ne peut ni mourir ni faire faillite, qu'un État a la maîtrise de ses ressources et peut lever l'impôt. Et un État peut donc faire rouler la dette en réempruntant au fur et à mesure pour rembourser la dette quand la dette arrive à échéance. Ce qui d'ailleurs avait fait dire à Eric Woerth, je le cite dans le bouquin que j'ai commis lors de débats sur un des projets de loi de finances rectificatives, que tout le monde sait qu'on ne rembourse jamais la dette. Eh bien oui, tout le monde sait qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette. Alors arrêtons de nous faire peur avec le stock de la dette. La dette, c'est donc uniquement la charge, 50 milliards d'euros, et on voit bien que la somme est plus modique quand on veut essayer de faire peur. Être endetté pour un État est normal. Ce n'est pas fondamentalement malsain, d'abord parce qu'il est impossible de payer en une année des investissements qui courent depuis sur des années. La question est plutôt de savoir, à partir de là, comment et auprès de qui on emprunte. Il y a d'abord des dettes illégitimes. Exemple de dette illégitime, celle qui a gonflé lors de la crise des subprimes, puisque nous avons renfloué les banques, elle est montée à plus de 500 milliards d'euros, faisant passer le taux d'endettement dans la zone euro de 66 à 84%. Ça, c'est une dette illégitime qui aurait dû nous amener à nationaliser les banques. Nicolas Sarkozy l'avait même, à un moment donné, imaginé. Au lieu de ça, on a fait en sorte de socialiser leurs pertes et, évidemment,
À partir de là, il n'est pas question de socialiser leurs profits. Raison de plus, d'ailleurs, à mon avis, pour taxer les surprofits actuels. Je pense donc qu'il faudrait demander un audit public et citoyen sur la question des dettes. Le plus important, c'est qui la détient. La question de la dette exceptionnelle contractée par la dette Covid doit nous inciter à la réflexion. Qu'est-ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne ? Elle a désobéi elle-même de manière autonome au traité en prêtant directement aux États. Ce qui fait qu'à partir de là, ce n'était pas le marché qui possédait notre dette, mais nous-mêmes qui la possédions quelque part et qui pouvions décider soit de la reporter, soit même, pourquoi pas, de l'annuler. On aurait perdu les intérêts de cette dette, mais c'est des questions qui pouvaient se poser à partir du moment où on la possédait. Et je le dis très clairement, vu la situation d'urgence que nous avons devant nous, vu les investissements que nous avons à faire, cette question devrait se reposer au niveau européen. Au fond, se libérer du chantage de la dette, c'est la définanciariser, tout comme il faut le faire pour l'économie. Plutôt que ce faux problème de la dette, enfin qui n'est pas un faux problème, mais qui n'est pas à mon avis la priorité, on devrait plutôt se poser le problème de la seule dette qui vaille, qui est la dette écologique, qui elle ne sera pas annulable, qui elle, au nom de laquelle, là par contre, nos enfants pourront nous reprocher ce que nous avons fait et qui nécessite des investissements. Je termine, Monsieur le Président, pour dire une chose. La dette, on peut aussi la résorber avec une toute autre manière que les politiques d'offre et de compétitivité. Mettre de l'argent dans les salaires, créer des emplois, investir au niveau de l'État, c'est permettre de faire rentrer des cotisations sociales, de faire rentrer de la fiscalité. Et c'est une autre façon de faire baisser la dette, plus intelligente à mon avis que celle de supprimer les impôts comme nous le faisons sans arrêt, ce qui ne fait que réaugmenter la dette. Dernier mot, inquiétez-vous de la dette privée. 248% du PIB, largement supérieur aux 112% de la dette publique et qui là, par contre, parce qu'en réalité, elle alimente le système, est un problème fondamental sur lequel s'appuient toutes les crises du capitalisme. Merci, Monsieur le Président. Nous allons écouter les inscrits en commençant pour le groupe socialiste et pour 5 minutes par Monsieur Philippe Brun. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, la dette change d'époque. Sans attendre le rapport du gouvernement qui nous est présenté pour la première fois, nous savions toutes et tous dans cette Assemblée que la dette française était en train de changer d'époque. Les taux d'emprunt de la France ont fortement augmenté depuis un an, atteignant 2,5% à 10 ans, alors qu'ils étaient négatifs jusqu'à décembre dernier. Et nous ne sommes qu'au début de la pente. Les taux sont attendus à 2,5% fin 2022, puis 2,6% fin 2023, avant de converger à 3% à l'horizon 2027. Nous devons donc nous préparer mentalement et budgétairement à un coût de la dette désormais hypertrophié, passant de 42,2 milliards cette année à quelque 60,6 milliards à l'horizon 2027. 20 milliards d'euros à rembourser en plus, soit le budget du ministère de l'Écologie. Que faisons-nous pour absorber ce choc ? Réduction d'impôts pour les plus riches non financés, coupes budgétaires imposées aux collectivités et restrictions sur tous les investissements essentiels. Nous faisons fausse route. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, je la cite, « L'inflation que nous connaissons n'a pas que des causes monétaires, elle est aussi le fruit de la hausse irrémédiable du prix des énergies fossiles et du coût de la transition ». Que nous n'avons pas assez préparé. Tirons-en les conclusions. Le remède ne sera pas que monétaire. Remonter sans cesse les taux pour contenir l'inflation pénalise nos économies, endette nos États. C'est une impasse. Des investissements, une politique industrielle de régulation, des marchés sont indispensables pour contenir cette inflation d'un nouveau genre. Le remède, mes chers collègues, ne doit pas être pire que le mal. Aussi, je mets en garde le gouvernement. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a ouvertement reconnu en août que son action allait faire mal aux ménages et aux entreprises. Ne copions pas les Américains qui se trouvent dans une situation très différente de la nôtre. Les institutions sont unanimes. La dette française reste soutenable et finançable. Utilisons les leviers qu'il nous reste pour investir et protéger plutôt que pour favoriser les nantis et gérer les pénuries. Il est temps de questionner nos choix stratégiques en matière d'emprunt. Notre dette soutenable et finançable, elle le reste, mais elle le sera de moins en moins si le gouvernement s'entête dans ses choix de financement. À trois reprises, en janvier, en mai et en août de cette année,
l'agence France Trésor, sous l'autorité de Bercy, a consenti à 3 nouveaux emprunts selon cette modalité très particulière dont mes prédécesseurs ont parlé. La rémunération de leurs titulaires est indexée sur l'inflation constatée dans la zone euro. Et désormais, 11% de notre dette publique est indexée sur l'inflation, soit 250 milliards d'euros elle-même. Selon l'agence France Trésor elle-même, chaque point d'inflation supplémentaire entraîne un coût immédiat de 2,5 milliards d'euros. En d'autres termes, le gouvernement a transformé une fraction de notre dette en bombe à retardement. Alors que l'inflation devrait faire baisser le poids réel de la dette publique, la dette française flambe avec elle. Et ce n'est pas la faute à la hausse des taux encore trop récente pour impacter significativement notre dette. Ce sont bien les emprunts toxiques indexés sur l'inflation qui alourdissent notre facture. La dette, cette année, la charge de la dette augmente de 17 milliards d'euros, mais seuls 2 milliards s'expliquent par la hausse des taux. Les 15 milliards restants, c'est-à-dire plus que le budget de la justice, ne s'expliquent que par ces OAT indexés sur l'inflation. Alors, j'ai été amusé, monsieur le ministre, en lisant le rapport du gouvernement et qui avance un nouvel argument au soutien de cette stratégie, un argument que le ministre nous avait jusqu'ici épargné. Je cite, « La charge de la dette indexée se comporte de manière contracyclique. Elle augmente quand l'inflation augmente et les rentrées fiscales augmentent. Au contraire, elle diminue en période de ralentissement ou de récession. » Bonne nouvelle, donc, les emprunts indexés sur une inflation à 6% sont indolores pour les finances publiques, tant les rentrées fiscales sont florissantes. La France, censée être à l'euro près, est donc heureuse de la prendre. Mes chers collègues, la question de la dette, si elle demande courage et sang-froid, elle appelle aussi à la lucidité de nos gouvernants. Et nous devons engager une réflexion sur la restructuration de notre dette et à une annulation concertée de la dette liée à nos dépenses exceptionnelles durant la crise du coronavirus. La France doit prendre l'initiative d'une réforme du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin qu'un mécanisme partagé soit trouvé pour annuler ces dettes liées à ces dépenses exceptionnelles. Je conclurai donc ainsi. Notre dette publique est soutenable à condition que l'on diminue la part de ses emprunts toxiques et que l'on ne répète pas l'erreur de plonger l'Europe dans l'austérité plutôt que d'investir pour surmonter cette inflation d'un nouveau genre. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon et 5 minutes, monsieur Christophe Plassard. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Permettez-moi de commencer mon propos en saluant la tenue de ce débat. La dette publique est un sujet central, puisqu'elle est tout à la fois la résultante de la gestion de nos finances publiques sur le long terme et le préalable à toute réflexion sur les orientations à suivre pour les futurs budgets. Chacun connaît la situation de notre pays. Champion de la dette publique, depuis quelques années déjà, nous sommes dans le groupe de tête des pays les plus endettés de la zone euro, avec la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Et les crises successives que nous connaissons depuis quelques années, la crise sanitaire d'abord, la crise inflationniste ensuite, la crise énergétique enfin, n'aident en rien au rétablissement des finances publiques. Les mesures que nous prenons sont nécessaires, mais leur coût est important. Un tel niveau de dépenses conjoncturelles ne sera pas possible indéfiniment. Au 30 juin 2022, la dette publique française s'établissait à plus de 2 900 milliards d'euros. En 2022, cela représentera plus de 111% du PIB, loin de nos engagements européens. Ce constat fait, une dette publique aussi importante pose-t-elle une difficulté. Dans cet hémicycle, certains considèrent que la dette publique n'est pas un indicateur pertinent, que l'argent est gratuit, que la dépense publique n'est pas assez importante. Nous ne pensons pas que ces trois affirmations soient exactes. D'abord, parce que la dette publique dit beaucoup de la gestion de nos finances publiques, de la succession des déficits publics passés et donc cumulés. Ensuite, parce que les conditions d'emprunt sont fluctuantes. Elles dépendent des taux directeurs des banques centrales, mais aussi de la crédibilité de chaque État à rembourser. L'illusion de l'argent gratuit, appuyée par des taux d'intérêt négatifs, n'a plus lieu d'être. Nous empruntons aujourd'hui à 2,5% et les prévisions s'approchent de 3% à terme. La charge de la dette dépassera 50 milliards d'euros cette année, plus que le budget de la Défense nationale. Une dette publique importante, c'est donc autant de ressources indisponibles pour financer les services publics dont nous avons tant besoin.
Enfin, parce qu'avec un niveau de dépenses publiques équivalent à 59% du PIB en 2021, on ne peut pas dire que notre pays connaît l'austérité ou que le manque de dépenses publiques serait un mal français. Face à ces constats, que faire ? Des coupes aveugles dans nos dépenses publiques n'y changeraient rien. Pire, elles aggraveraient la situation en cassant la croissance et en faisant chuter l'investissement et les recettes fiscales. Nous devons être méthodiques, croire en notre esprit réformateur. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, nous pouvons mener des réformes de fond, modérer la dépense publique tout en instituant des mécanismes de justice sociale. Il nous faut aussi suivre un cap. La loi de programmation des finances publiques le fixe clairement. Réduction du ratio de la dette publique rapportée au PIB dès 2026 et retour sous les 3% de déficit à l'horizon 2027. Pour y parvenir, la croissance moyenne en volume de la dépense publique, hors effet de l'extinction des mesures d'urgence et de relance, est prévue à plus 0,6% sur la période 2023-2027, soit l'effort le plus significatif depuis plusieurs années. Une dépense publique contenue, mais surtout une meilleure dépense publique. Il nous faut toujours privilégier les dépenses d'investissement et celles qui concernent les domaines régaliens de l'État. Pour conclure mon propos, chers collègues, je me félicite au nom du groupe Horizon et apparenté de l'ambition réformatrice du gouvernement et de sa volonté de maîtriser la dépense publique. Gouverner, c'est choisir. Choisir avec courage nos politiques prioritaires. Choisir les dépenses publiques à privilégier. Choisir sur lesquelles un effort doit être consenti. Avoir le courage de mener des réformes indispensables parce que la dette publique est un enjeu de souveraineté. Le groupe Horizon et apparenté se tiendra aux côtés du gouvernement pour faire de ces 5 années à venir des années de réforme et de maîtrise des comptes publics. Parce que gouverner, c'est choisir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste et pour 5 minutes, la parole est à madame Christine Arrighi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, que je n'ai pas cité tout à l'heure, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, c'est bien au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, dit un proverbe africain. Permettez donc un propos liminaire. Je dresse le bilan de l'impact de la politique de Monsieur Macron et de ses alliés sur nos finances publiques. Car c'est bien l'analyse du passé qui explique le présent. Le quinquennat précédent était celui du doublement du déficit public et de l'explosion de cette même dette. Nous voilà donc à l'acmé de la gestion axée sur les résultats dont on nous a tant vanté les résultats, les mérites. Les promesses d'une dette publique maîtrisée se sont effondrées. Promesses de Gascon, dirait-on dans mon sud-ouest. À la fin du premier quinquennat Macron, la France présente une situation des finances publiques parmi les plus dégradées de la zone euro. Cette année, notre dette publique va continuer de grimper avec un nouveau record d'emprunt. 270 milliards d'euros de dette devraient être ainsi levés sur les marchés financiers par l'État. Ce sont 10 milliards de plus que les 2 années précédentes, 2021. À cela s'ajoutent des taux d'intérêt qui augmentent. Cela a déjà été dit. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que nous allons devoir faire face à une hausse de la charge de la dette publique. Celle-ci avoisinera 60 milliards d'euros en 2023, talonnant ainsi le premier budget de l'État, l'éducation nationale, qui s'élève à 62,2 milliards d'euros, une dette égale à celle de l'éducation nationale. Plus de 2 900 milliards d'euros, toujours plus d'une dette à l'autre, et pourtant la situation dans nos villes et campagnes empire. Explosion de la pauvreté, et des emplois précaires, manque de moyens pour l'hôpital, pour la recherche, pour les transports, pour la santé, pour les collectivités territoriales, face aux besoins à couvrir. Si la maîtrise de la dette publique est un enjeu de souveraineté, il est important de passer au filtre les politiques menées par le gouvernement et leur impact sur nos finances publiques, car comme le disait le baron Louis, faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un seul exemple. Celui de la politique fiscale de M. Macron. Suppression de l'ISF, baisse de l'impôt sur les sociétés, prélèvement forfaitaire unique sur le revenu du capital,
faible progressivité de l'impôt sur les hauts revenus, baisse des moyens des services de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, on supprime toujours des emplois à la Direction générale des finances publiques. Et en même temps, des aides aux entreprises qui ne sont jamais conditionnées. Pour faire simple, c'est le ruissellement pour les riches. La dette publique actuelle est donc en partie la conséquence de cette politique fiscale. En parallèle de ces cadeaux fiscaux, on entend partout, auprès de la majorité relative, qu'il faut maîtriser les dépenses, comme le préconise le rapport Arthuis. Quelle belle manière de nous vendre une politique d'austérité. Toujours sans aucun retour sur investissement écologique à venir. Car de quelles dépenses parle-t-on ? Celles qui ont un effet positif multiplicateur pour l'avenir ou celles qui financent des politiques destructrices du vivant ? Le projet de budget 2023 nous donne un aperçu de l'orientation du gouvernement. 60 milliards seraient consacrés à l'écologie. Pourtant, quand on examine de près la répartition de ce montant, il apparaît que 11 milliards sont consacrés au gaz et 33 milliards à l'électricité au titre du bouclier tarifaire. Le gouvernement nous présente des dépenses en faveur des énergies fossiles comme des dépenses écologiques. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. Ce sont là les propos du président en avril dernier, qui nous rappelle certains propos plus anciens qui avaient au moins le mérite de la franchise et de la clarté. L'écologie, ça commence à bien faire. Nous, écologistes, sommes convaincus de l'urgence à mener une politique axée sur les besoins écologiques et sociaux, avec des dépenses publiques à la hauteur de ces enjeux pour les générations futures, car c'est le seul moyen de nous prémunir contre les crises qui plongent régulièrement notre pays dans la spirale de la dette et les Françaises et les Français les plus démunis dans la précarité sociale et écologique. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe GDR et pour 5 minutes, Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Ce débat a un mérite, celui de ne pas laisser aux seuls libéraux le soin d'expliciter la réalité de la dette avec un prisme que nous contestons. Oui, Monsieur le Ministre, nous nous inscrivons en faux devant l'affirmation que la dette exorbitante serait le fruit d'un État trop dépensier. Une simple petite lecture historique suffit à le démentir. Le niveau de dette publique actuel est pour commencer la conséquence du haut niveau des taux d'intérêt durant les années 80-90, largement supérieur au taux de croissance. Ce surcroît explique à lui seul une part non négligeable de l'expansion de cette dette, 13 points de produit intérieur brut, selon un rapport parlementaire de 2015. Bien sûr, cela n'a pas été perdu pour tout le monde et les détenteurs de la dette ont bien dû se régaler. Cette question risque de se poser à nouveau avec la hausse des taux d'intérêt. L'autre explication vient bien sûr de la multiplication des dépenses fiscales et des baisses d'impôts des plus aisés. 130 milliards de baisses d'impôts et de cotisations entre 2000 et 2012, auxquelles nous pouvons ajouter 40 milliards d'exonérations de cotisations votées entre 2012 et 2017, et enfin les 55 milliards d'euros de baisses d'impôts depuis 2017. Il est essentiel de mesurer l'ampleur de ces chiffres, alors même que le déficit public cette année, particulièrement haut, s'établira à 158 milliards d'euros, tout en continuant de basculer la charge fiscale des entreprises vers les ménages et des plus riches vers les couches moyennes ou modestes, comme en atteste la suppression de la CVAE ou le refus de la taxation des superprofits. Dans ces conditions, force est de constater que la dette joue avant tout un rôle politique et qu'elle participe à imposer des choix libéraux partout en Europe. Cette méthode s'appelle la sidération de la dette. Elle conduit à tétaniser les peuples, à justifier les contre-réformes les plus libérales. Elle s'est exercée en Grèce, en Italie et est toujours à l'œuvre chez nous, avec les réformes iniques des retraites, peut-être même jusqu'à 67 ans pour certains, ou de l'assurance chômage. À grands coups de communication, on nous rebat les oreilles du sempiternel poncif de la dette à 110, 112 %, 3 000 milliards d'euros. Une dette insoutenable, nous dit-on, en faisant le comparatif avec la situation d'un ménage. Mais l'État n'est pas un ménage. S'il y a 3 000 milliards de dettes, il y a également entre 15 000 et 16 000 milliards d'actifs, si l'on compte tout. Ces comparaisons n'ont donc aucun sens et exonèrent de la bonne analyse, celle de la soutenabilité de la dette plutôt que sa valeur absolue. À ce titre, le rapport du gouvernement offre bon nombre d'enseignements.
Il montre que la dette est détenue à 49% par des non-résidents. Il met aussi en évidence une hausse à venir des taux d'intérêt, 2,5% aujourd'hui, 3% d'ici 2027, ce qui réduit le déficit stabilisant et en renchérit la charge d'intérêt. Quelle conclusion tirer de ces constats ? Celle du gouvernement, mais aussi de la Cour des comptes et de toutes les commissions ad hoc qui se sont succédées, c'est la suivante. Réduire le déficit encore en réduisant les dépenses afin de rassurer les marchés financiers et les agences de notation qui déterminent nos taux d'emprunt. En somme, jouer le jeu dans un cadre fixé qui, depuis 30 ans, a vu la dette grandir en même temps que les inégalités de richesse et de patrimoine. Pour notre part, députés communistes et députés ultramarins qui composent le groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous demandons d'agir afin de modifier le cadre fixé, sortir de la mainmise des marchés, contrôler les détenteurs de la dette publique et ne plus laisser les marchés dicter les taux auxquels nous empruntons. Les chantiers sont nombreux. D'abord, réhabiliter un système de réserve obligatoire, semblable au circuit du Trésor qui fut en vigueur. Il permet de mobiliser l'épargne nationale pour financer le déficit de l'État et sortir autant que faire se peut du carcan des marchés financiers. Les Français détiennent 6 000 milliards d'euros d'épargne financière. Mobilisons ces 6 000 milliards. Ce système pourrait voir le jour au niveau européen, raison pour laquelle il semble plus que nécessaire d'entreprendre des démarches dès maintenant. L'autre point consiste à reprendre le contrôle sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Alors que cette dernière a largement agi depuis 2014 sur les marchés financiers, elle l'a fait en dehors de tout mandat politique. La politique monétaire fait partie intégrante de la politique économique d'un pays ou d'un espace économique, et nous l'avons vu lors de la dette Covid. S'en priver sur l'autel de la théorie fumeuse de l'indépendance de la BCE a été une erreur, comme l'a montré la crise de 2008. En conclusion, alors même que la guerre est aux portes de l'Europe, que notre pays a brûlé tout l'été et que nous ne pouvons savoir si nous aurons assez d'électricité pour passer l'hiver, la problématique de la dette financière ne peut se concevoir sans intégrer les enjeux majeurs de dette écologique et de besoins sociaux et humains, tout simplement ce qui doit faire sens dans une société qui assure la cohésion. Ce n'est pas le chemin que vous empruntez, car la dette publique est un des instruments pour justifier vos contre-réformes qui mettent à mal les fondements de nos républiques, alors même que les investissements d'avenir, ceux de la transition écologique, devraient être sortis du calcul de la dette maastrichtienne, parce que là est l'urgence. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Liot, et 5 minutes à Charles de Courson. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire la fin de la trajectoire 2027, dans laquelle notre dette publique reste stable autour de 111%. Elle ne baisse pas par rapport au PIB. Et je vous adresserai 6 remarques. Première remarque, la dette publique française n'est qu'une partie de la dette globale de notre pays, puisqu'elle n'intègre ni la dette liée au régime de retraite des fonctionnaires de l'État, qui est évaluée à 2 653 milliards à fin 2021, ni la dette environnementale que, à ma connaissance, personne n'a encore précisément évaluée. Deuxième remarque, mais à quoi a servi cette dette ? Eh bien, à financer, mes chers collègues, très majoritairement des déficits de fonctionnement et non pas des investissements. Monsieur le président de la Commission des finances l'a évoqué. Mais si on regarde le bilan de l'État, personne ne s'y intéresse, hélas, quel est le montant de l'actif net de l'État ? Il est négatif à fin 2021 de 1 657 milliards. En d'autres termes, la dette publique a massivement financé des dettes de fonctionnement. D'ailleurs, si vous regardez le budget de l'État tel qu'il nous est présenté, grosso modo, 175 milliards de déficit, combien y a-t-il d'investissements, combien de fonctionnement ? 25 milliards d'investissements et 150 milliards de déficit de fonctionnement. Donc, mes chers collègues, ceux qui disent c'est très bien de s'endetter, oui, c'est tout à fait légitime de s'endetter pour financer des investissements, et notamment des investissements d'avenir, mais certainement pas pour financer un déficit de fonctionnement. Je parle de l'État, on pourrait parler de la sécurité sociale. Quand la sécurité sociale est en déficit, c'est massivement un déficit de fonctionnement. Il n'y a que les collectivités territoriales qui ont un excédent de fonctionnement et qui financent une bonne partie de leurs investissements grâce à leur excédent de fonctionnement. Et c'est ça la sagesse, et c'est ça ce que devrait faire l'État s'il était bien géré.
Troisième remarque, notre dette publique en pourcentage du PIB ne pèse pas. Elle était en 2022 autour de 11,5% du PIB, elle sera toujours à 11,2% en 2023, dans vos estimations, qui sont surestimées. Donc, on a atteint, à la fin de cette année, on sera à 3 000 milliards. 3 000 milliards, c'est un chiffre tellement astronomique que ça ne dit rien à personne. Quand vous le ramenez aux 30 millions de familles françaises, ça fait à peu près 100 000 euros. Eh bien, chez moi, mes chers collègues, 100 000 euros, c'est le prix d'une maison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et quand vous dites à mes concitoyens, on a 100 000 euros chaque famille sur le dos, et ça augmente chaque année de combien ? Bah, grosso modo, de 5 000 euros supplémentaires chaque année. Quand vous dites ça à quelqu'un qui gagne 1200, 1300, 1400 euros, il dit, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut réveiller les Français et dire qu'on ne peut pas continuer comme cela. Quatrième remarque, le coût de cette dette. Mais tout d'abord, monsieur le ministre, je voudrais vous dire quelque chose que personne ne vous dit jamais. Est-il normal que l'AFT, librement, gère la dette publique française ? Et tous vos prédécesseurs nous ont dit « Non, non, moi, je n'interviens pas. » D'ailleurs, nous avons interviewé l'AFT, qui nous a confirmé. Aucune instruction. Aucune. Est-il normal qu'on fasse des primes d'émission ? Moi, je pense que non. Savez-vous, monsieur le ministre, combien ça représente des primes d'émission en stock ? 105 milliards à fin 2021. 105 milliards, 4% du PIB, qui n'est pas dans le chiffre qu'on évoque des 3 000 milliards. Oh, vous me direz, on n'est plus à 100 milliards près. Hein. Bon, d'accord. Mais est-il normal ? En Allemagne, il y a un refus de jouer avec des primes d'émission. Les primes d'émission, vous savez ce que c'est ? Vous émettez au-dessus du pair avec un taux plus élevé que le taux de marché, ce qui fait que vous rembourserez moins. Mais dans la dette maastrichtienne, c'est la valeur de remboursement qui compte. Et donc, on sous-estime la véritable dette de 100 milliards. Donc, moi, je suis de ceux qui disent l'AFT, quand la Cour des comptes l'a contrôlée, c'est très bien géré, oui, mais ce n'est pas normal que vous ne donniez pas des instructions. C'est un service de l'État. Ce n'est pas une autorité indépendante à qui on a donné l'autonomie. Mais je sais, mais peu importe. Donc, ça veut dire que vous ne lui donnez pas d'instructions. Vous trouvez ça normal, monsieur le ministre ? Bien. Deuxième remarque. Vous avez dit tout à l'heure que l'estimation du coût de la dette publique en 2023. Vous aviez retenu 2,5 début 2023 et 2,6 à peu près à la fin de l'année. Permettez-moi de contester complètement cette hypothèse. Pourquoi ? Il va falloir conclure. On est déjà à 7,2% sur les obligations privées à 10 ans. Vous pensez qu'on va pouvoir durablement avoir des écarts de près Merci, de 5 points ? Merci, monsieur le député. J'avais encore 2-3 choses à vous eh dire, bien, voilà. Monsieur le ministre. C'est fait. Mais ça sera pour... La prochaine débat. Fois. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance, la parole est à monsieur Éric Woerth. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je suis heureux que ce débat sur la dette publique que nous avons porté avec Laurent Saint-Martin ait lieu pour la première fois. Il y avait un grand paradoxe, alors même que nous approchons des 3 000 milliards d'euros de dette avec 115 ou 111,5% de PIB et que le spectre de la remontée des taux est devenu une réalité, nous n'avions aucun moment dédié dans cet hémicycle pour parler de la dette. C'est à la fois un exercice pédagogique et un exercice politique. La dette dit beaucoup de choses de notre passé et de notre avenir. Aujourd'hui, la France est lourdement endettée, mais pas surendettée. Notre dette est encore soutenable, mais nous devons faire preuve d'une vigilance extrême. Car si jusque-là tout va bien, qui peut en jurer pour demain ? La dette est la sédimentation de 50 ans de déficit public. Et lorsqu'on regarde de près les différentes couches, on constate que c'est une dette de fonctionnement et pas du tout une dette d'investissement. Chaque génération a décidé de faire payer à une autre un peu de son confort de vie sans l'assumer. Nous devons rompre avec ces mauvaises habitudes. Si les grandes crises sont des pics de déficit, la dette, elle, est plus sournoise. Elle résulte essentiellement de l'accumulation de l'excès de dépenses de tous les jours. Et puis si nous la remboursons, monsieur le président de la commission des finances, nous le faisons en empruntant à nouveau.
Aujourd'hui, notre pays a une obligation d'évolution, de transformation, de transition, de réforme. Chacun le sait bien. Bref, notre nation doit se bouger. Pourtant, nous ne pouvons pas prendre le risque d'affaiblir notre souveraineté financière. Nous ne pouvons pas prendre le risque de descendre en deuxième division financière. Curieusement, nous voulons plus d'indépendance énergétique, alimentaire, industrielle, tout ça est bien évident, mais l'indépendance financière est encore sous les radars de l'opinion publique. La dette ne peut plus être la seule réponse au financement de nos politiques publiques. Les menaces sont des opportunités pour se réformer, ne sont pas des occasions pour s'endetter plus encore. Face à l'incroyable défi climatique, numérique, social que nous devons relever, comment pouvons-nous y parvenir sans avoir davantage recours à l'endettement ? D'abord, la protection des Français, qui est l'objet principal de ce PLF, est la condition nécessaire de la réforme, faute de quoi cela pourrait créer un climat rendant impossible les réformes pourtant incontournables. Il faut deuxièmement faire de ces réformes des enjeux de croissance supérieurs à leurs coûts, comme c'est notamment le cas de la réforme des retraites et d'autres qui devront suivre. Nous devons, troisième point, substituer au fur et à mesure de la dette d'investissement à la dette de fonctionnement. Ça nécessite de différencier clairement les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers la loi organique modifiant la LOLF, mais curieusement, Monsieur le Ministre, deux définitions différentes des dépenses d'investissement perdurent dans la loi de finances à l'article liminaire et à l'article d'équilibre. Je suis persuadé que nous reviendrons sur ce choix plus tard, car bientôt, il deviendra très politique. Quatrième point, il est indispensable de fixer un plafond d'évolution de la dépense publique à 0,5% ou 0,6% en volume. Évidemment, c'est possible. Il n'y a pas de recette miracle pour baisser la dépense, mais il y a un travail incessant sur la qualité de la dépense publique qui doit être fait. Et la qualité de la dépense publique, elle doit être ici contrôlée par le Parlement lui-même. Enfin, il faut tenir l'effort sur la durée, car c'est la seule façon de faire baisser le poids de la dette par rapport à la production de richesses nationales. Là est la clé de la soutenabilité de notre dette. C'est toute l'ambition de la loi de programmation des finances publiques qui a été rejetée en commission de manière assez incompréhensible par les oppositions, en contradiction avec nos engagements européens. Et ce, alors même que le gouvernement présente une trajectoire sérieuse de stabilisation à court terme de notre dette publique d'ici 2025 et une décrue à moyen terme après 2027 qu'il faudra, Monsieur le Ministre, vous le savez, impérativement respecter. C'est bien d'avoir beaucoup d'ambition quand on dit, c'est mieux d'avoir de l'ambition quand on fait. Maîtriser les dépenses publiques, maîtriser la dette, c'est maîtriser l'avenir de notre pays. Ce n'est pas un exercice comptable, mais un exercice de responsabilité, de souveraineté et de citoyenneté. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national et pour 5 minutes, la parole est à monsieur Kevin Mauvieux. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, avant toute chose, avant de commencer mon propos, je crois qu'il est parti, mais je voulais remercier monsieur De Courson pour son intégrité dans ses propos et pour sa constance. Alors après la technique du rapporteur tout à l'heure, la politique du député maintenant, a commencé par le bilan, 5 ans. 5 ans qu'on nous dit que Mozart compose. Eh bien, 5 ans que Mozart compose 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires et ne respecte pas l'argent des Français. Vous savez, je viens du département de l'Eure, qui a été très touché par les Gilets jaunes, à l'époque des Gilets jaunes, et les Gilets jaunes qui se demandaient en permanence où pouvait passer leur argent. Ben aujourd'hui, je les comprends, maintenant que je suis député, maintenant que je suis à la commission des finances, maintenant que je suis rapporteur sur les engagements financiers de l'État. Maintenant, tout ça, je le comprends. Et à vrai dire, j'ai envie de vous poser aussi la question, où va l'argent des Français avec autant de dettes et des services publics qui sont tout aussi chaotiques que la dette n'explose ? Ce n'est pas un hasard si le remplaçant de Bruno Le Maire, d'ailleurs, dans le département de l'Eure, n'a pas fait long feu. La sanction est tombée assez rapidement. Plus gravement, une des causes principales, comme l'avait dit Michel Rocard, et le paiement d'intérêts indus fixés par les marchés financiers, qui sont aussi irrationnels qu'avides. Monsieur Attal, d'ailleurs, vous disiez vous-même tout à l'heure
que la signature de la France était sans risque et appréciée. Alors pourquoi accepter des taux aussi hauts? Pourquoi rémunérer autant une dette qui n'est pas risquée, par définition? Et pourquoi toujours accepter ce taux de 11-12% d'OATI qui viennent engraisser des banques et des assurances dont on n'aurait a priori pas besoin si la dette française était avec une aussi bonne signature? Si encore vous aviez endetté la France pour investir dans l'avenir, pour investir dans notre souveraineté agricole, industrielle, énergétique, technologique, scientifique et même culturelle. Une dette peut être bonne quand elle donne à nos enfants les moyens de leur destin, mais votre dette, cette dette, elle est toxique car elle leur facture vos promesses politiciennes. Nous serons, avec le RN, les seuls à respecter l'argent des Français. Je vous remercie. Merci, monsieur. Pour le groupe La France Insoumise et pour 5 minutes, madame Alma Dufour. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le saviez-vous, ce sont sous des gouvernements de droite que la dette publique de la France a le plus augmenté. Comment ? L'endettement insoutenable de notre pays ne viendrait donc pas de l'obsession des gauchistes à vivre au-dessus de nos moyens ? Comment la dette ne viendrait pas de notre modèle social trop généreux ? Vous me direz que la dette est aussi fonction de la conjoncture économique qui, certes, n'a pas épargné la droite. Que le quoi qu'il en coûte pendant la crise des subprimes ou le Covid-19 était nécessaire pour protéger l'économie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors, si la dette dépend de la conjoncture économique, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun lien réel entre augmentation de la dépense publique et augmentation de la dette. La réalité, c'est que vous allez détruire l'hôpital, l'école, le droit des travailleurs à partir à la retraite en bonne santé et celui des générations futures à vivre dans un monde préservé du chaos climatique pour rien. Car non, madame Louvagie, la France n'est pas une cigale et personne ne chante en ce moment dans le couloir des urgences. Si les droites ne sont pas responsables de la crise des subprimes ou de la crise du Covid, elles sont responsables de vouloir la faire payer indéfiniment à l'État et de favoriser les sacro-saints marchés financiers qui, eux, se gavent de la dette publique pour enrichir les actionnaires. Vous avez privé l'État de recettes énormes en multipliant les cadeaux fiscaux. Vous le répétez à l'envi. La France serait le pays qui impose le taux de prélèvement le plus lourd aux entreprises. Mais ce que vous ne dites jamais, c'est que la France est aussi le pays qui reverse le plus de cadeaux fiscaux aux entreprises. 200 milliards par an sont donnés sous forme de niches fiscales et d'exonérations de cotisations patronales. En 2019, c'était 8% du PIB et 40% du budget de l'État. Notre première dépense publique est donc les exonérations d'impôts pour les plus riches. Mes chers collègues, au moment où la richesse privée est au plus élevée en France, la dette publique française est également au plus élevée. Et vous voulez nous faire croire que c'est une coïncidence. Les entreprises du CAC 40 ont octroyé plus de 51 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2021, soit une augmentation de 22% par rapport à 2020. Pourtant, leur résultat net agrégé avait chuté de plus de la moitié. Elles se sont donc littéralement servies des aides publiques de l'État pour rémunérer leurs actionnaires. L'État s'est saigné à blanc pour maintenir l'économie en vie pendant la Covid-19. Et aujourd'hui, au lieu de demander un juste retour aux plus grandes entreprises de ce pays, vous baissez encore leurs impôts. Dites combien vous gagnez BNP Paribas, Total ou Amazon avec la suppression de la CVAE. Dites aux Français qui ne sont pas responsables de la crise des subprimes, de l'explosion de la bulle boursière, des niches fiscales pour les grands groupes ou de la Covid-19, mais que ce sera toujours à eux de payer. Vous avez raison sur une chose. Nous sommes bel et bien enfermés dans le cercle vicieux de la dette. En 2022, 45% des émissions de dette sont là pour amortir la dette déjà émise. Et donc, le fait de revenir à 3% de déficit est-il de nature à changer cet état de fait? Allons jusqu'au bout de votre logique. Oui, nous avons un énorme problème de dette, mais vous ne dites jamais comment nous sommes supposés nous en sortir. Pire, vous aggravez ce problème, puisque comme mon collègue M. Brun l'a dit, dans le plus grand des calmes, 11% de la nouvelle dette est assise aujourd'hui sur l'inflation, 15 milliards cette année. Dites-le qu'il est impossible de sortir de ce cercle vicieux sans changer les règles bancaires et monétaires européennes. Car la dette n'est pas remboursable. Même dans 200 ans et au prix d'une austérité sans précédent, nous ne l'aurons toujours pas remboursée. La rigueur, le sang et les larmes seront inutiles, votre remède austéritaire ne fonctionnera pas.
Rappelez-vous de la Grèce dont le poids de la dette sur le PIB est passé de 107% avant la crise de la dette souveraine à 130% après 10 ans d'une cure d'austérité démoniaque qui a conduit à l'augmentation des suicides dans le pays de 37%. Regardez, malgré tous vos grands discours sur la rigueur, vous êtes de nouveau engagés dans le quoi qu'il en coûte et nous sommes déjà au bord de la récession. Le bouclier tarifaire va nous coûter 46 milliards d'euros. C'est le double de ce qu'aurait coûté en argent public et privé un an de rénovation énergétique complète des bâtiments. Ce sont donc 46 milliards jetés par les fenêtres mal isolées, sans faire une seule rénovation des bâtiments de plus, sans installer un kilowattheure d'énergie supplémentaire. Voilà le coût de l'austérité budgétaire, de votre croyance dans le marché européen de l'électricité et dans la bonne volonté des grandes multinationales de l'énergie. Une gestion de la crise trois fois plus coûteuse que les investissements pour aucune richesse produite en plus. Un tiers du monde va entrer en récession en 2023, mais c'est nous que vous traitez d'idéologues. Mais la crise que nous traversons aujourd'hui est un procès vivant à votre logique néolibérale. Le prix du kilowattheure sur le marché européen de l'électricité est un acte d'accusation contre votre aveuglement. Rappelez-vous que la dette, ce sont avant tout des êtres humains qui concluent des contrats les uns avec les autres. Rappelez-vous que la Banque Centrale Européenne détient 400 milliards d'euros de notre dette et qu'elle peut la transformer en dette perpétuelle à taux nul. Rappelons que la Banque Centrale peut sortir les investissements de la transition écologique des règles d'endettement des États. Et rappelez-vous surtout que la seule dette qui est réellement irréversible pour les générations futures, c'est la destruction des conditions de la vie humaine sur Terre. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, 5 minutes, Fabien Di Filippo. Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, le mur de la dette n'a jamais semblé aussi proche. Et même si l'on sent une plus grande crispation soudain de l'exécutif avec l'urgence de la réforme des retraites, avec les déclarations sur le fait que chaque euro compte, le discours de vérité et de responsabilité, ainsi que surtout des mesures de redressement du budget de la France, font toujours défaut. Vous avez voulu faire croire aux Français que l'on pourrait s'endetter sans conséquence, sans limite et à moindre frais, qu'une croissance incantatoire réglerait la facture. Vous avez raconté une belle fable aux gens, que l'État les protégerait et réglerait tous leurs problèmes en augmentant ses dépenses. Or, c'est tout le contraire. La cigale Emmanuel Macron ayant chanté pendant toute la campagne électorale, et même pendant tout son premier mandat, se trouva fort dépourvue quand la bise de l'inflation fut venue. Les prix qui augmentent, le pouvoir d'achat qui baissera durablement, bientôt une récession et l'augmentation du chômage. Quand la charge des intérêts de notre dette devient le premier budget de l'État, Monsieur le ministre, bientôt, devant l'éducation et devant la défense, le marketing politique du « en même temps » ne peut plus faire illusion bien longtemps. Vous battez record sur record, des records que l'on pensait pourtant hors de portée après le quinquennat désastreux de François Hollande. Record de dépenses publiques à 59% du PIB. Record des taux de prélèvement obligatoires 45,2% du PIB. Record de dette 112% de notre richesse nationale annuelle. Record de charge de la dette, plus 20 milliards sur le quinquennat, ce sera dans quelques années 60 à 90 milliards selon les scénarios de Bercy. Et tout cela malgré des projections de croissance et d'inflation que tous les experts disent très optimistes. Cela rognera d'autant les budgets de tous les ministères pour le service de nos concitoyens. Même les alliés opportunistes d'hier, Édouard Philippe et François Bayrou, tirent la sonnette d'alarme et dénoncent vos choix et l'impasse qu'ils constituent. Je cite l'ancien Premier ministre, « Tous ceux qui oublient qu'en ne maîtrisant pas les dépenses, on s'expose à des risques graves, me paraissent ne pas servir le pays. » Je crois qu'il parlait de vous, Monsieur le ministre. Vous augmentez les dépenses publiques et les recettes fiscales pour faire des chèques d'aide court-termistes qui ont pour seule conséquence, d'une part, d'encourager l'hyperinflation actuelle et d'autre part, de dévaloriser chaque fois un peu plus le travail des millions de Français des classes moyennes, exclus de tous ces dispositifs qu'ils financent pourtant. Il n'y a aucun cap de long terme, aucune stratégie cohérente. Si on prend l'exemple de l'énergie, des chèques symboliques qui creusent la dette de plusieurs milliards d'euros à chaque fois, et pourtant pas de stratégie structurelle, des investissements pour accompagner l'autoproduction des entreprises, des collectivités, des particuliers, la rénovation des bâtiments insuffisante, l'augmentation des capacités nucléaires qui n'est pas là, quand avec Nicolas Hulot, vous graviez dans le marbre de la loi le fait qu'il fallait fermer 12 centrales nucléaires.
Vous essayez de rendre nos communes désormais et nos collectivités responsables de l'endettement du pays à la même hauteur que l'État, alors qu'elles représentent moins de 8% de l'endettement public et que vous les privez depuis 2018 progressivement de toute autonomie financière et fiscale. Sur la dotation globale de fonctionnement, sa sous-revalorisation sera une perte de 600 millions d'euros de recettes réelles pour ces collectivités. Mais attention, la baisse de l'investissement des communes, avec en parallèle l'arrêt total ou partiel de nombreuses entreprises, nous amènera à la récession. Et donc, vos hypothèses et votre trajectoire sur le budget sont d'ores et déjà caduques. Il n'existe pas de solution immédiate aux problèmes que vous avez créés, mais il existe des chemins de redressement et ils exigent lucidité et courage. Cela veut dire quoi ? Premièrement, mettre le travail au-dessus de tout. Arrêter de multiplier les aides sociales et de les automatiser, comme vous voulez le faire avec le RSA, ce qui coûtera 3 milliards d'euros en plus au final. Et arrêter de les augmenter plus que les revenus du travail au nom d'une prétendue justice sociale qui n'est que du clientélisme. Deuxièmement, agir sur la dette structurelle. Son poids augmente, comme celui de la bureaucratie et des dépenses publiques, alors que les services publics de proximité régressent. Troisièmement, décentraliser, en toute subsidiarité et sans multiplier à chaque fois les couches étatiques de contrôle et d'affectation des ressources. Et quatrièmement, eh bien, redonner sa souveraineté à notre pays, notamment et surtout en matière industrielle et énergétique, ce qui demande des investissements plus que des chèques inflation de 100 euros. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'est traduit par 700 milliards d'euros de dette en plus et celle-ci atteindra bientôt 3 000 milliards d'euros. En 2010, nous avions le même taux d'endettement que l'Allemagne. Aujourd'hui, notre dette est 50% plus importante. C'est un drame économique et social. En matière de souveraineté, puisque cela accroît notre dépense et notre soumission à des fournisseurs et des créanciers étrangers. Deuxièmement, par rapport aux générations futures, à qui vous confiez la charge d'assumer vos insuffisances et vos lâchetés. Et enfin, le plus dangereux, eh bien, cela nous prive de toute marge de manœuvre face aux crises actuelles et futures, quand on sait que l'Allemagne, elle, peut distribuer 280 milliards d'euros à ses entreprises, eh bien, pour les aider à affronter la crise énergétique. Alors que faisait la cigale Emmanuel Macron au temps chaud ? Nuit et jour, à tout venant, elle dépensait, ne nous déplaise. Ah, elle dépensait, j'en suis fort aise. Eh bien, monsieur le ministre, assumez maintenant. Pour le groupe démocrate et 5 minutes à Mohamed Lakhila. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Le débat sur la dette que nous avons ce jour est une des nouveautés de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023, induite par la réforme de la LOLF votée l'année dernière à l'initiative d'Éric Woerth et de Laurent Saint-Martin. Lors de l'examen de cette proposition de loi organique, nous étions d'accord sur le fait qu'un tel débat devait nous permettre de prendre un peu de hauteur sur la situation des finances publiques, en particulier sur celle de notre endettement qui dépasse aujourd'hui 112 points de PIB. Vous le savez, le groupe démocrate, Modem et indépendant est particulièrement, historiquement sensible à ce sujet. Un certain candidat en 2007 en avait fait le cœur de sa campagne. Je voudrais commencer mon intervention en parlant un instant de la gestion de la dette publique. Deux points clés. Vous connaissez tous l'importance que les députés démocrates attachent à la lutte contre le changement climatique, qui est tout aussi centrale dans notre projet que la bonne gestion des finances publiques. Chers collègues, le changement climatique est réel et nous aurons le besoin d'investir et donc de nous endetter massivement pour le ralentir, mais aussi pour nous adapter à ses effets. Plus que jamais, des efforts conséquents en matière de rénovation énergétique des bâtiments, de modification de nos manières de produire ou encore de préparation des écosystèmes à la hausse des températures sont nécessaires avec des besoins de financement importants. Nous devons aussi encourager l'ensemble des secteurs à s'engager dans cette voie, et notamment les secteurs de la finance. La France, comme les autres pays développés, est un pays avec une épargne importante, épargne qui doit être mise au profit de cet objectif. Le développement d'actifs verts est un outil puissant. La France est en la matière précurseur. Les OAT vertes développées depuis 2017 sont une avancée déterminante, en témoignent les nombreux États européens, ainsi que l'Union européenne désormais qui se sont engouffrés dans la brèche créée par la France. Monsieur le ministre,
Ces OAT verts sont liés à la budgétisation verte que la France a adoptée depuis plusieurs années et que nous devons continuer à mener. Je pense que vous trouverez au sein du groupe démocrate nombre de parlementaires prêts à vous accompagner pour développer plus encore ce dispositif. L'article d'équilibre avant le début de l'examen de ce projet de loi de finances prévoit un besoin de financement cette année de 270 milliards d'euros, soit un peu plus de 10% de notre PIB. Pourtant, la dette française reste extrêmement liquide et les taux mesurés en comparaison à nos partenaires européens. Plus encore, la politique d'allongement de la maturité de la dette, menée depuis plusieurs années, nous permet de mieux nous protéger contre un risque de remontée de taux trop rapide. Je voudrais ici saluer l'ensemble des fonctionnaires contractuels de l'agence France Trésor pour leur travail. Toutefois, même si la dette en elle-même est bien gérée, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas un enjeu important pour autant. La remontée des taux, liée au retour de l'inflation et à la normalisation de la politique monétaire, qu'en est la conséquence, augmente dans les estimations du gouvernement la charge de la dette de 12 milliards d'euros en 2023, soit l'équivalent des autorisations d'engagement de la mission Justice. Parce que oui, chers collègues, notre dette a des conséquences sur notre capacité à financer les politiques publiques. Pire, notre endettement doit sérieusement nous interroger sur notre capacité à faire front face aux crises futures. Le groupe démocrate défend deux idées phares en la matière. D'abord, notre ajustement budgétaire ne saurait être trop rapide. Nous ne pouvons répéter les mêmes erreurs faites lors de la crise de 2008, où la France en premier lieu, les États européens ensuite s'étaient empressés, en raison de la crise des dettes souveraines, de réduire au plus vite le déficit public au prix de la croissance. En France, cet ajustement s'est fait au prix d'une augmentation massive des prélèvements obligatoires, avec les résultats que nous connaissons. Cette situation doit nous conduire à être plus attentifs quant à ce que nous votons. Et je regrette à cet égard que les débats de la semaine passée en commission et ceux que nous débutons cette semaine se transforment en course à l'échalote sur les plus grosses baisses de recettes ou sur les plus grosses hausses des dépenses. Or, pour terminer, chers collègues, je m'adresse aussi bien à la gauche raisonnable, celle-là encore là, qu'à la droite fréquentable. Soyez responsables, soyons tous responsables. C'est l'image et la crédibilité de la France qui sont en jeu. Je vous remercie. Dernière oratrice inscrite pour les non-inscrits, Madame Emmanuelle Ménard, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la dette. Entre les Cassandres et les Pangloss, qu'en est-il réellement de l'état de nos finances ? Une question à plus de 2 900 milliards d'euros. Une dette abyssale alors que d'autres pays européens ont bien mieux géré leurs deniers publics. À titre d'exemple, entre 2017 et 2021, la dette des Pays-Bas est restée stable à 46% du PIB. Même chose pour l'Allemagne à 69% du PIB, pendant que la France est passée sur la même période de 98% à 114,5% du PIB. Cet été, la Banque Centrale Européenne a de nouveau mis en place un dispositif pour racheter massivement des dettes publiques d'États membres. Le TPI, Transmission Protection Instrument, permet en effet à la BCE d'aider un ou plusieurs des États membres qui verraient leurs dettes attaquées sur les marchés en les rachetant en masse. Ceci afin d'éviter une nouvelle crise de la dette en zone euro. Si l'explication officielle de ce nouvel instrument résidait dans l'écart croissant des taux d'intérêt entre la dette italienne et la dette allemande, en réalité, la situation financière de la France, deuxième pays de la zone euro en richesse, était également responsable de cette décision. Car la France est un pays massivement endetté, avec un déficit de son commerce extérieur insondable et des finances publiques exsangues. Bref, en mauvaise santé. Cette politique de la BCE n'est pas saine. Chaque mois et depuis des années, elle a racheté des milliards et des milliards de dettes publiques et privées dans la zone euro. Au total, et depuis 2008, ce sont plus de 6 500 milliards d'euros de dettes publiques qui ont été rachetées par la BCE. De quoi participer à la création des conditions de l'inflation qui sévit aujourd'hui ?
Et puis, disons-le clairement, cette politique a un prix. Ce dispositif impose en effet des obligations aux États qui en bénéficient, et en premier lieu, celle de respecter le cadre budgétaire européen. Si ces conditions devaient être appliquées à la France, ce serait clairement la perte d'une partie de notre souveraineté budgétaire. Si naturellement la dette a pris un embonpoint certain avec la crise sanitaire, atteignant les 111,5% du PIB, c'est aussi l'inflation qui explique ce mouvement à la hausse. Une inflation qui, selon les mots du ministre de l'Économie, est sa priorité absolue parce qu'elle menace directement les ménages les plus fragiles, les classes moyennes, les retraités et naturellement nos entreprises. Une inflation sur laquelle nous n'avons pas vraiment la main car elle est étroitement liée à la guerre en Ukraine. Une guerre que nous avons raison de mener, je l'ai dit et je le redis, mais qui a bien sûr un coût, dont celui de l'énergie. Un coût encore supportable pour les particuliers grâce au bouclier énergétique. Vous l'avez rappelé, les prix du gaz et de l'électricité augmenteront, mais de seulement 15% au début de l'année 2023, alors qu'ils auraient dû augmenter de plus de 100%. Reste à savoir combien de temps ce bouclier va pouvoir être maintenu. Pour rappel, la note est déjà salée, déjà 24 milliards d'euros. Pour lutter contre l'inflation généralisée, la Banque centrale européenne, toujours elle, a augmenté ses taux d'intérêt en juillet pour la première fois en 10 ans de 50 points de base. Et elle a annoncé le 7 septembre dernier les relever de nouveau de 75 points de base, une ampleur inédite. Et oui, la dette a un coût et il va bien falloir rembourser. Pour redresser la barre, chacun le sait, malgré les dénégations de certains, il n'y a que deux solutions. Augmenter les recettes ou diminuer la dépense. Puisqu'une partie de la gestion de la dette nous échappe à cause de la guerre en Ukraine, c'est à de grandes réformes qu'il faut maintenant s'attaquer. Il faut travailler plus longtemps, sauf bien évidemment pour ceux qui connaissent des emplois particulièrement pénibles. Il faut reconduire les chômeurs longue durée vers le marché de l'emploi. Il faut lutter contre les fraudes en tout genre, fiscales et sociales. Nous devons également accentuer la réindustrialisation de notre pays, contrôler une immigration de masse dont le niveau de qualification est faible, renouer avec la compétitivité et rééquilibrer la balance commerciale, reconstruire notre souveraineté énergétique avec le développement de notre parc nucléaire, traquer toutes les dépenses inutiles et j'en passe. Pour inverser la tendance à la hausse constante de la dette, la tâche est donc immense. Mais pas insurmontable dès lors que nous travaillerons ensemble. Les bonnes idées ne sont pas le privilège des seuls députés de la majorité. Pour apporter un début de réponse avec un projet de loi de finances 2023 responsable et courageux, c'est-à-dire à la hauteur de la situation. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres orateurs. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 15h. Les questions au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Puis la suite du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027. Enfin, la suite de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. La séance est levée.